Amis peintres et stratèges, bonjour! Salut! Et joyeux Noël à vous! Bonne fête, où que vous soyez, et quelle que soit la date à laquelle vous regardez cette vidéo, on espère que vous passez des bons moments avec votre famille, avec vos amis, que vous avez un peu de temps pour vous reposer, et aussi pour jouer aux figurines. C'est important! Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau rapport de bataille, où cette fois-ci, Georges va nous présenter, comme son t-shirt l'indique, sa nouvelle armée Black Legion. La fameuse, bon, j'ai teasé l'existence depuis au moins deux vidéos, tout sûr. Et j'ai enfin. Ça y est, elle est peinte. C'est ça, j'ai enfin terminé la peinture de toute une liste en 500 points que je vais pouvoir montrer et dévoiler sur cette chaîne pour la première fois. Qui en l'occurrence va être une liste, comme vous avez pu le voir dans les plateaux, du coup, qui sont normalement passés juste avant ce petit speech, une liste principalement de tirs. Avec beaucoup de figurines de Havoc qui sont du coup des figurines de soutien dévastateurs. J'ai essayé de faire une armée un peu équilibrée qui puisse à la fois essayer d'affronter une armée basée sur de l'infanterie, d'où les canons rotatifs Reaper, et en même temps je ne voulais pas être surspécialisé et j'ai du coup l'autre unité de Havoc qui est le maximum d'armes anti-char, les canons laser, et ça risque de m'être utile puisque toi tu as pris. La liste véhicules orques, les Evil Sons, rouges, rapides, furieux, qui se précipitent. Et qui ont jusqu'à présent été plutôt en difficulté contre la Black Legion. Exact. Puisque avant de tourner cette vidéo, on a joué quelques parties et j'ai perdu deux fois récemment. Deux fois d'affilée, ouais, pour le moment. Du coup, cette fois-ci, pour une fois, c'est moi qui me retrouve avec quelques points bonus d'armée. Tout à fait, 5%. Grâce à notre petit système de revanche. Exactement. Que nous allons vous présenter. Dans peu de temps, c'est ça, d'ici une petite semaine ou quelque chose comme ça, Tant qu'on fasse la vidéo. C'est ça, ça sortira encore plus dans les faits, du coup, en théorie, par rapport à cette vidéo. Peut-être que, qui sait, le jour de l'an, Noël, le système des revanches, un grand cadeau donné à la communauté, pour ainsi dire. Voilà, on a aussi d'autres choses à tester. On va jouer pour la première fois avec les nouveaux objectifs, donc les fameux galets qui représentent la zone exacte. De contrôle d'un rayon de 3 pouces autour de l'objectif, ce qui en l'occurrence va être bien pratique justement en jouant tous ces véhicules orques qui avant étaient un peu bloqués par les poteaux jaunes qu'on mettait. Du coup, si on enlevait le poteau, il fallait refaire toutes les mesures pour savoir où on pouvait le placer. Là, on pourra les mettre d'ailleurs quand même, vu qu'il y a une petite limite, et les enlever juste quand quelqu'un passe, et ce sera tout à fait fluide pour jouer, ce qui est assez agréable. Voilà, impatient de voir un peu ce qui se passe et tenter de vaincre une fois de plus ces ignobles peaux vertes. Et je vous dis à très bientôt. Bonne chance, Amélie. Bonne chance. Comme toujours, on va commencer par mettre en place du coup le scénario. En l'occurrence, on est tombé sur attaque incisive, si je dis pas de bêtises, qui a la particularité d'avoir une règle spéciale qui permet de garder le contrôle des points une fois qu'on est passé dessus, même si notre figurine ensuite se balade ailleurs. Ce qui est assez intéressant pour les orques qui sont très mobiles. Mais, comme vous pouvez le voir, on a déjà changé une petite chose. Tout à fait. C'est que on va jouer sur cette partie du terrain, plus proche de la caméra, et mettre nos figurines et nos dés un petit peu plus loin, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. C'était, je crois, Marcel Piebaud qui sur Facebook nous avait suggéré le fait d'avoir une vue plus proche, et on s'est dit une vue au-dessus ou un truc comme ça. Notre matériel ne permet pas pour l'instant d'avoir une vue aérienne, donc on va garder cette vue un peu de trois quarts où vous nous voyez de haut bouger les figurines, mais on s'est dit que vous verrez peut-être un peu mieux nos déplacements et les modèles par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, où on avait du coup les décors, les jets de dés, les codex qui étaient ici, et en fait nos figurines qui étaient un peu plus loin. Donc, c'est un test, à vous de nous dire si vous trouvez que ça rend mieux ou pas, n'est-ce pas? Tout comme nos beaux petits bonnets. Autre petite modification, on va rajouter des time codes sous la vidéo pour indiquer les tours, le début de la partie, tout ça, tout ça. Comme ça, si vous trouvez qu'on parle trop au début pour tout expliquer, libre à vous de sauter directement jusqu'au passage qui vous intéresse un peu plus. Exactement, on se veut chaîne pédagogique. Donc on va continuer, comme toujours, de raconter et d'écrire le plus possible tout ce qu'on fait. Mais si vous êtes pressé et que vous connaissez un peu la mise en place d'une partie et que vous voulez sauter au cœur de l'action tout de suite, vous pouvez aller au début, ce sera marqué tour 1 ou je ne sais quoi, et cliquer dessus et voir tout de suite les premiers jets de dés et les déplacements. Pour les autres, vous autres bons élèves qui avez décidé de rester pour la totalité de cette explication, on va comme toujours mettre en place en premier les zones de déploiement qui vont délimiter les endroits où nos figurines auront le droit de commencer, ainsi que les emplacements de ces fameux objectifs sur lesquels on essaye de se placer pour gagner du score.
Car de nous deux, c'est le joueur qui aura le plus grand nombre de points de victoire à la fin de la partie, qui va durer 5 rondes, qui sera déclaré vainqueur, peu importe qui a tué combien de bonhommes de chaque côté. Alors, nous on s'est fabriqué pour gagner du temps, des feuilles de papier pour créer une sorte de grand pochoir, un peu taille géante, qu'on utilise et qui nous permet de gagner du temps pour placer directement dans les petits trous ici des dés pour faire les lignes de déploiement et des gabarits qui vont représenter maintenant les pions objectifs. Alors, par rapport aux autres vidéos que vous avez pu voir, mais on en a parlé juste avant, qu'ils sont bien plus grands. En réalité, c'est des objectifs de la même taille, mais ces petites galettes ici représentent déjà la zone totale dans laquelle le personnage va pouvoir se placer. Et on en a 5, alors qu'on a besoin que 4. Donc celui-ci, je vais le frisbee, hop là, à l'autre bout du monde. Et mais il m'en manque un du coup. Ah, il m'en manque un que je n'ai absolument pas posé. Donc on n'avait pas un en trop. Je vais te le chercher. Très bien. Tu lâches chez où? Sur le canapé. Parfait. C'était pour impressionner les viewers et tout. Très bien. On a du coup placé nos quatre pions objectifs qui sont très jolis. Il faudra peut-être que je fasse un petit zoom. En fait, on a choisi des pions qui laissent un petit côté immersif. Ici, il y a des genres de bidons explosifs. Toxique, je ne sais quoi. Là, il y a des sortes de sacs de sable, de barricades, avec une sorte de contrôle de l'empereur. Là, il y a un rhino explosé, à moitié enseveli. Ah, c'est sympa, j'aime bien. Je trouve que c'est assez fun. Et on va du coup maintenant, bien sûr, placer les dés pour représenter la limite des zones de déploiement. Les figurines n'auront pas le droit de dépasser ces lignes imaginaires qui sont ici. Et voilà. Et maintenant, on peut du coup retirer délicatement notre petit pochoir. On aurait très bien pu ne pas utiliser de pochoir et juste tout calculer à la règle, voilà, faire ça à l'ancienne, ça nous aurait juste fait perdre 10 minutes, c'est pas forcément désagréable, mais entre nous on a pris l'habitude de faire comme ça. D'ailleurs peut-être que à l'occasion, puisque certaines personnes nous ont déjà demandé comment est-ce qu'on avait fait les mesures, ben, on les a juste fait avec un crayon et nous-mêmes à la main, quoi, si je puis dire, mais peut-être qu'à terme on essayera d'avoir un plan pré-tracé qu'on pourrait distribuer pour que vous puissiez juste les imprimer et les poser chez vous à la maison pour gagner du temps. Il faut juste avoir des grandes feuilles. Ouais, il faudra juste du coup avoir des grandes feuilles. Voir un imprimeur du coin. Peut-être qu'on passera par un imprimeur nous-mêmes. Si on fait un truc un peu pro, un peu joli, ouais, on fera sans doute ça et on pourra donner une adresse aux gens sur où est-ce qu'on a été l'acheter pour vous faire gagner du temps et avoir un petit rendu. Alors on a reçu les petits tapis ici tout jolis pour faire les pions objectifs, mais on n'a pas encore reçu pour l'instant les nouveaux champs de bataille, les nouveaux tapis qui vont représenter la zone de combat où la guerre a lieu tout simplement. Du coup, on va continuer d'utiliser cet ancien tapis qui date de l'édition précédente, qui est un peu trop grand. Et pour délimiter le vrai cadre de jeu, on a mis ici un cadre qu'on a pris sur mesure qui fait les dimensions pour des parties en 1000 points et moins. Donc 30 pouces par 44 pouces. Exactement. Puisque tout est mesuré en pouces dans Warhammer. C'est ça. On a fini du coup de délimiter la zone, on va maintenant pouvoir mettre le décor. Alors le décor est important dans le jeu, puisqu'il va donner des protections, briser les lignes de vue, on ne peut pas tirer sur quelqu'un s'il est caché derrière un mur, ce genre de choses. Et en version 9, il y a notamment quelques règles et recommandations qui conseillent fortement aux joueurs de placer un ou deux, de préférence, éléments de terrain obstruants, occultants, un jour j'arriverai à dire le vrai nom en français du premier coup, placés entre les deux joueurs de façon à éviter à ce qu'il n'y ait trop de tirs qui soient faits lors du premier tour. Un ici, hop là, un deuxième par là, c'est pas mal, et on va placer le reste des décors tranquillement. Et voilà, on a fini de placer le terrain qui est prêt à accueillir cette grande bataille qui va faire rage entre la Black Légion et les orques. Et on est bon pour la suite. Alors en l'occurrence, on va maintenant se dévoiler le choix de nos objectifs secondaires. Oui. Puisque, en plus d'essayer d'être sur ces points qui ont été situés sur la carte pour gagner du score, on a nous-mêmes secrètement choisi une stratégie qu'on a élaborée en connaissant le scénario et
la liste ennemie, et en se disant, bon, je sais qu'il y a des orques, ils sont très rapides, ils vont vouloir arriver au corps à corps, qu'est-ce que je vais prendre? Et on a dû en choisir chacun trois différents. On ne peut pas exactement choisir comme on veut, ils sont regroupés dans des familles, et il faut que chaque choix qu'on fait soit dans une famille différente, une famille distincte. Du coup, alors quels sont les objectifs secondaires que tu as choisis? Alors, en premier objectif secondaire, j'en ai pris un dans la catégorie éliminer l'ennemi, et j'ai pris tuer le seigneur de guerre, qui rapporte 6 points de victoire à la fin de la bataille, si j'ai réussi à tuer ton grand chef, ton seigneur de guerre, qui est un psycheur. Pour une fois, j'ai pas pris l'objectif assassinat, qui demande de tuer des personnages, parce que tu n'as qu'un seul personnage. Incroyable, je l'ai fait, comme quoi tout est possible, même pour moi. Si vous regardez un peu les autres vidéos, vous voyez que j'aime bien mettre souvent plein de personnages dans mes listes, et il y a un objectif secondaire qui est très fort contre cette stratégie, donc Amélie le joue très régulièrement. J'ai pris le même, tout simplement, de mon côté, puisque je sais que ton chef orc, ton seigneur de guerre, fonce au corps à corps, comme il a la capacité d'aider les autres véhicules à charger aussi. J'avais hésité entre celui-là et un autre qui comptait le nombre de véhicules que j'avais détruits, mais vu que ton chef allait être exposé, là où ton squid buggy, lui, généralement il reste un peu en fond de table. Si jamais vous vous souvenez de la partie custodes contre orc en rapport de bataille, vous savez de quoi je parle. Il est capable encore de faire gagner des parties qui semblent perdues, soit toute attente. Du coup, je me dis que j'aurais sans doute le chef, mais pas lui. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Alors, en deuxième objectif, j'ai pris l'objectif classique qu'on prend très très souvent sur cette chaîne. Et l'objectif, c'est « Combattons tant que nous tenons », qui rapporte 5 points de victoire à la fin de la bataille pour chacune des 3 figurines les plus chères de notre armée qui sont encore vivantes. C'est ça, qui permet du coup d'essayer d'avoir plein de points à la fin de la bataille si on n'est pas trop mort durant la partie. Donc chez moi, bah, ce sera mes 3 gros véhicules. Ouais, tout simplement. Mon Deathkill Warthrike, mon Shock Jump Dragsta et mon Rocket Truck Squid Buggy. Eh bien, j'ai pris le même. Il est, il faut dire, très avantageux si vous jouez comme nous en 500 points, dans le sens où il peut rapporter jusqu'à 15 points de victoire. Donc, si tout le monde est en vie, ce qui arrive rarement, généralement on a souvent une et rarement même deux figurines encore en vie. Ça permet quand même de gagner des points sans avoir à faire d'action, à aller à un endroit spécifique de la carte ou à faire des choses qui baissent, on va dire, la létalité de notre armée. On peut agir à peu près normalement et espérer avoir quand même à la fin de la partie des points qui viennent gratuitement. Voilà, ouais. Ce qui est pas mal du tout. J'ai pris le même. Bon, je vais quand même préciser chez moi quelles sont les figurines du coup qui sont ciblées et qui devront survivre. J'ai bien sûr le sorcereur, qui est la figurine la plus chère de l'armée. Et ensuite, j'ai le choix entre deux des cinq avocs. Car ils comptent tous exactement le même nombre de points, y compris le sergent d'unité, l'aspiring champion, coûte autant de points et grâce à son combi plasma et son fusil à plasma dans chaque main là. Et je vais dire que ça va être du coup celui-ci, qui n'a pas d'œil de visée bionique mais le câble sur le côté. Et en deuxième, je vais prendre celui qui a un œil de visée bionique mais qui regarde vers le bas. Ça va être les deux avocs à canon rotatif Reaper qui vont tenter de survivre. Je me suis dit que c'était une mauvaise idée de choisir le sergent parce qu'il a des armes avec des règles de surchauffe, de surcharge. Je peux décider qu'il tire avec toute l'énergie du fusil, mais que ça risque de lui faire exploser la tête. Et du coup, je pense qu'il va mourir. Que ce soit parce qu'un orc le tue, ou parce qu'il appuie un peu trop vite sur la gâchette de son fusil. Voilà pour moi. Quel est ton dernier objectif secondaire? En dernier objectif, j'ai pris celui qui est spécifique à notre mission, qui s'appelle Assaut Chirurgical, qui rapporte des points de victoire à la fin de chaque tour, si je contrôle 5 points de victoire précisément. Si je contrôle le pion objectif qui se trouve dans la zone de déploiement de mon adversaire. À l'opposé de là où tu commences. Ouais, imaginons que je commence ici, je marquerai 5 points de victoire si jamais j'ai une figurine qui a un bout de pied, une roue, n'importe quoi, dans cette zone-là, voilà, qui est dans la zone là-bas. Ce qui est bien sûr intéressant puisque tu sais que ce sera toi qui vas jouer l'agression. Avec des orques très mobiles de corps à corps et des véhicules, tu vas sans doute foncer chez moi. Moi j'ai pas mal hésité sur savoir lequel je prendrais. Et au final, j'en ai choisi un classique. J'ai pris une opération clandestine, le VO, les étendards. Donc j'ai une infanterie, donc à peu près ce que je veux de mon armée, qui a la place de tirer pendant un tour. Donc ça fait perdre quand même toute une action potentiellement de moitié de tuer des orques. Ils essayent de hisser un petit drapeau avec
avec le symbole Black Legion dessus. Un œil d'Horus. Voilà, sur... son œil, exactement. Ici, un œil d'Horus qui va du coup me faire gagner un point à chaque fois que ce sera le début de mon tour, tant que le drapeau est encore là. Si jamais il y a un orc qui passe à côté, il donne un coup de pied dedans, le drapeau tombe et je ne gagnerai plus ce petit point de score. Je pense qu'il est moins intéressant que le tien, mais en jouant sur la défensive, c'était quand même un de ceux qui me semblait le plus intéressant. J'ai pas trouvé mieux. Tous ceux qui m'intéressaient, ils étaient déjà dans des catégories où j'avais déjà pris un objectif. Du coup, je ne pouvais pas le reprendre et j'ai choisi le moins pire, si je puis dire. Très bien, on a fini de se dévoiler les objectifs secondaires. Alors, quelle est l'étape suivante de la mise en place de la partie? Eh bien, on va devoir maintenant tirer au dé pour savoir qui aura le privilège d'être attaquant ou défenseur. Celui qui fait le plus grand nombre avec ce jet de dés va pouvoir choisir. On se veut dire, si on est défenseur, on choisit sa zone de déploiement, c'est-à-dire là où commence notre armée. Est-ce que c'est ici? Là-bas. Voilà. Mais on a comme contrepartie qu'on est obligé au moment du déploiement, c'est-à-dire au moment où on commence à chacun placer nos troupes les unes après les autres, de commencer à placer une unité en premier. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va être obligé de donner des informations supplémentaires à l'adversaire. Il va pouvoir s'adapter pour le placement de ses bonhommes, puisqu'il sera déjà moué à un bout des ennemis en face. Alors, voyons voir. 4. 6. Eh bien, c'est toi qui as remporté le jet de dés. Préfères-tu être défenseur ou attaquant? Alors, pour choisir, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a une zone de déploiement qui m'intéresse plus que l'autre. Je vais faire des tests et voir si mes véhicules peuvent se déplacer. Par exemple, par ici, là. Ça a l'air de passer, ouais. Ça a l'air de passer. C'est tout pile dans le couloir, mais ça passe. Du coup, comme il passe par là... Je sais pas si tu passes par là aussi, je pense que oui. Au pire, s'il manque un centimètre, on peut légèrement bouger le décor. Oh, c'est pas la peine. Non, je passe pas par là-bas. Si, ça passe, regarde. Ah, oui, effectivement. Ça, c'est... Ah, vraiment... Bah, pour une fois, je passe un peu partout sur la carte. J'ai bien pixel juste pour éviter de rayer les socles ou la peinture. Mais en vrai, ouais, tes bonhommes, on l'a placé de manière suffisamment bien pensée pour que tu puisses passer dans les deux couloirs. Et également au milieu, les véhicules peuvent bumper par-dessus les caisses, juste voilà. Ralentir un peu. Ouais. Du coup, il n'y a pas de côté qui va m'avantager plus qu'un autre, donc je vais choisir d'être attaquant en bon orc que je suis. Je ne veux pas défendre quelque chose, je veux juste foncer. Savoir où je suis placé avant de mettre tes bonhommes, ce qui est intéressant. C'est rare, mais ça arrive. Souvent. Très souvent, on choisit d'être défenseur, en tout cas dans nos parties. La plupart du temps, la personne qui remporte le dé veut un côté de la table en particulier. Là, pour toi qui es très mobile, ça ne va pas changer grand-chose. Du coup, sachant ça, je suis défenseur d'office. Et tu vas choisir ton côté. Je vais choisir mon côté, alors voyons voir. Toi, ça changeait pas grand chose, mais est-ce que moi j'en ai un qui m'avantage plus? J'aurais envie d'avoir des bonnes lignes de vue, comme j'ai une armée qui est très tir, qui peut tirer potentiellement assez loin avec les canons laser. J'aurais envie d'avoir des bonnes lignes de vue. Le côté là-bas permet de bien se cacher. Du coup, si je me mets là-haut, il faudrait que je sois là-bas. Ou alors, si je suis là, j'ai un arc un peu plus grand. Où je peux quand même te tirer dessus si je me mets dans le coin de table. Mmh. Ce qui me fait dire que je vais décider de jouer sur ce côté-là. D'autant plus que, petite asymétrie, ici il y a un cratère qui, de la même manière que les caisses, ralentit un peu les gens qui veulent me charger ou avancer à ce moment-là. C'est vrai qu'on a fait un terrain très symétrique pour une fois, sauf le cratère. C'est vrai. Ben, c'est un peu l'équivalent des barricades qui sont là, quelque part. Donc je pense que je vais choisir de mettre ici, pour toutes ces raisons. On va parler du coup des réserves. Et les transports. Mmh. On a maintenant une autre décision, une dernière décision à prendre avant que le déploiement ne commence. Connaissant tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, si on a des figurines de transport, des espèces de bus dans lesquelles les gens, les figurines peuvent se cacher pour foncer plus vite ou traverser le champ de bataille en sécurité des balles, ce qui n'est le cas d'aucune de nos armées, c'est là qu'il faut décider qui rentre dans quelle voiture pour le faire du covoit. Et sinon, autre règle intéressante, toutes les figurines qui sont des ninjas cachés, des parachutistes, des gens qui se téléportent, qui viennent d'une dimension parallèle, enfin, toutes ces règles qui permettent en fait concrètement dans le jeu de surprendre l'ennemi ou de venir en retard, de venir autour d'eux, de ne pas être placé au début du jeu, doivent être décidées à ce moment-là. Sachant que dans cette nouvelle édition, on a la possibilité, il y a un nouveau stratagème qui dépense quelques points de commandement, une ressource très forte mais qu'on a en quantité rare, de prendre des unités qui n'ont pas ces règles pour arriver en retard, et de dire que juste elles font une embuscade, qu'elles s'embêtent à faire le tour de la carte à pied, et elles vont pouvoir venir autour d'eux, mais elles auront des petites limites. Comme elles ont fait le tour à pied, elles devront sortir par les bords, elles ne pourront pas aller exactement où elles veulent. Mais ça peut être intéressant, et je pense que notamment les orques, on l'a vu dans d'autres vidéos, l'utilisent parfois, comme c'est une armée de corps à corps,
ça peut être bien pour eux de ne pas se faire tirer dessus et de venir en retard. Je ne sais pas s'il va vouloir le faire ou pas, parce que dans ce scénario-là, si tu marches sur les objectifs, il reste à toi. Du coup, le fait de devoir traverser la carte, mais tu récoltes un peu quand même le blé du champ au passage sans rester dessus, ce qui est pas mal. Donc voilà, très bien. Alors, quel est ton choix? Eh bien, je ne fais arriver personne en réserve. Eh bien, tu l'as dit, je préfère que mes boys marchent, au champ de bataille et attrapent, capturent les pions objectifs ici au passage. Dans ce scénario-là, ça fait sens. Je pense que dans un autre, à peu près tous les autres, tu as peut-être envie de payer le point de commandement pour qu'ils viennent, viennent sur les côtés en retard. Mais là, dans celui-là, ouais, ça, c'est trop juteux. Très bien. Eh bien, on va pouvoir du coup faire le déploiement. Et j'ai eu le choix en tant que défenseur de savoir de quel côté j'étais. Mais en contrepartie, je vais devoir tout de suite déployer une de mes unités dès le début. Alors, ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas mettre? Eh bien, je vais choisir de déployer les cultistes. On va te placer sur le champ de bataille. Tu peux me passer le petit crayon rouge ici, je voudrais mesurer la distance. Car quand on place une unité sur le champ de bataille, elle ne peut pas être placée n'importe où. Elle est obligée d'avoir ses petits copains qui sont ce qu'on appelle une cohérence d'unité. Ce qui fait que toutes mes figurines vont devoir être à un maximum de 2 pouces d'un autre copain pour pas avoir peur. Et même, là, comme ils sont assez nombreux, je vais même devoir faire pire que ça, faire en sorte que tous mes bonhommes soient deux, d'au moins 2 autres. C'est une limitation quand on a des unités qui sont de plus de 5 figurines. Alors, 2 pouces. Donc là, tu vas faire un petit cordon de sécurité. Exactement, là, je vais décider de placer mes cultistes le maximum possible, malgré cette règle, en ligne pour servir de chair à canon pour les vrais serviteurs du chaos, n'est-ce pas ? Qui, eux, vont être tout à fait en sécurité et essayer comme ça de ne pas se faire rouler dessus par quelques pneus orques avant que la partie ne commence. Parce que ce serait, bien sûr, assez triste de ne pas pouvoir tirer et déjà de se faire ouvrir en deux par ces aliens Xenos redoutables. Je leur donne quand même le respect qu'ils méritent. Et voilà, normalement, je pense qu'ils sont tous à peu près à deux... Il y a deux de moins deux figurines. C'est ça, puisque oui, ceux qui sont sur le bord de la chaîne, tu les as justement un peu rapprochés. Ouais, je pense que là c'est pas mal. Faudrait que tu fasses le tour par ici, ce qui va me protéger un peu. Comment je vais faire? Ouais, ça m'a l'air compliqué. Et oui, suite aux précédentes parties qu'on a fait, je me suis dit que c'était une stratégie viable. Alors maintenant c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On dirait les cloches de Noël quand le train sonne. Ouais. C'est bien, ça met de l'ambiance. Alors, peut-être que je vais faire rapprocher mes boys dans cette direction. Il n'y aura pas grand-chose pour les ralentir tout de suite en termes de décor. Ah oui, par les infanteries peuvent eux traverser les murs de ces structures ici sans être ralentis. Ils passent par les portes, les trous, ça ne les gêne pas. Et ils vont pouvoir aller assez vite attraper ce pion objectif tout en étant cachés au début de la partie. Parce qu'ils seront derrière cette ruine qui est un décor occultant. Le fameux. Alors... C'est une grande unité d'orques, car tu as justement utilisé ton petit bonus de revanche. Et du fait que les orques aient connu deux défaites d'affilée déjà contre la Black Legion par le passé, tu en as profité pour ajouter 3 boys par rapport à ce qu'on connaissait avant. Non, 4 boys. 4 boys même, oui. Et j'ai changé aussi le boys avec l'arme spéciale de l'unité. Exact, ce n'est plus un lance-roquette, c'est un gros flingue ou je ne sais quoi. Ouais. Qui est un peu moins anti-véhicule et un peu plus anti-infanterie. Ce qui en l'occurrence est, je pense, un bon choix puisque la plupart de mes figurines sont quand même plutôt du type infanterie. Même si les AVOC sont solides pour de l'infanterie, ils ont une sauvegarde de 3+, sont des armures de marine, c'est très solide. Ils protègent bien des coups et des balles. Et ils ont en plus une endurance incroyable de 5, autant que des custodes, ce qui les rend, je pense, assez solides. Mais ils n'ont qu'un seul point de vie pour l'instant. Si vous regardez un peu les actualités, vous savez, pas les actualités, les previews des futures règles, vous savez que les Marines vont recevoir tous, dans un futur proche, quand les nouveaux codex de version 9 sortiront, un point de vie de plus. Leurs homologues loyalistes l'ont déjà reçu dans leur codex, maintenant les Space Marines du chaos vont y avoir droit aussi. Ils attendent avec impatience de recevoir ce point de vie de plus. Moyennant bien sûr un coût de figurines plus élevé. Si les figurines reçoivent des bonus, elles ont en général
un coût également un petit peu plus cher que ton avancée. En fait, je vais... Tu vas devoir dépasser, t'as tellement d'or. Je vais devoir dépasser parce qu'ils sont trop nombreux. Ouais, en fait, il aurait fallu que ce truc-là, il n'existe pas. Mais tu peux te mettre dessus, d'ailleurs. Oui, ça va te faire perdre du mouvement, mais moi, je te vois quand même pas. C'est un choix, du coup. C'est vrai. Je pense que ça peut être trop me ralentir. En fait, ouais, soit tu les fais dépasser par là et je peux les voir, soit tu les mets par ici et ils peuvent dégringoler et venir là, et je ne te tire pas dessus si j'ai l'initiative au toit. Mais en même temps, ça fait que si toi, tu joues en premier, tu vas pas très loin. Sachant que c'est quand même globalement une bonne troupe de corps à corps, on peut dire. Je vais pouvoir les faire dépasser un petit peu, je crois. Et oui, les peaux vertes qui sont là. Toujours aussi impressionnant. Il faut que je laisse la place pour mes véhicules. Ouais. J'en mettrai bien un ici, un ici. Le troisième, du coup, tu vas le mettre sur un des couloirs. Ouais, je vais en mettre sur un sur un des couloirs après. Ça se tient. Ça fait un nombre de boys totalement dingue. Hein. Il y a combien de temps du coup? Ils sont 20 en tout. Ils sont 20 tout le tour, d'accord. Ouais. Ah oui, maintenant, pion objectif, je peux en fait l'enlever. Et oui, c'est à ça que servent les fameux socles. Car au milieu de ces socles se situe un petit cercle discret fait en pointillés blanc qui permet d'enlever et de remettre à tout moment le petit objectif. On les a laissés juste pour que la caméra, comme justement on a une vue de côté, vous puissiez quand même bien les voir. Mmh. Même si concrètement, en fait, ils n'ont pas d'existence sur le terrain. On peut les traverser, s'arrêter dessus, tirer à travers. Ils existent juste pour éviter qu'on mette un décor exactement dessus. Alors, vous pouvez remarquer qu'ici, il y a une partie du décor qui touche la zone du point. Qui passe par-dessus la zone. Tant qu'il n'est pas posé à la place, on va dire, de ce poteau qui est là, du centre vraiment nerveux de l'objectif, ce n'est pas gênant. Très bien. Voilà, j'ai placé mon unité. Je vais devoir en placer une autre. Eh bien, je pense que, connaissant cette information-là, je vais mettre ici, face des peaux vertes, mon unité de Havoc. Avec les canons rotatifs. Avec les canons rotatifs, n'est-ce pas? Ils sont du coup de terribles tueurs d'infanterie, de petites troupes. C'est normalement, justement, par exemple, contre une tonne d'or, eux, ils sont censés... prouver leur valeur. Toi, te placer une de tes unités. Il va falloir commencer à mettre les véhiculaires. Je vois un boys qui, qui a oublié de sortir de chez lui. Hein. Il était mal réveillé. Hop. Très bien. Rejoins ses comparses. Quel véhicule décides-tu de placer où? Ça, la grande question. Il y en a un qui peut se téléporter. Ouais. Un qui est un bon en tir et l'autre qui veut vraiment foncer au corps à corps. Ça fait un peu de variante. Ce qui est agréable, le fait d'avoir des véhicules différents. Très rigolo à jouer, les orcs en général. Vraiment assez fun. Rien que le nom des armes et des unités en soi est déjà comique. Alors, peut-être je vais passer mon seigneur de guerre. Parce que lui, il va avoir besoin d'être un peu protégé au début de la partie. Si jamais je veux pas qu'il fonde face à tes canons à laser. Du coup... Il faut en fait qu'il soit légèrement reculé, légèrement reculé et près d'une autre unité. Ça peut être un de mes véhicules ou ça peut être mes boys. C'est ça, il y a un mot que les personnages qui fait que s'il a de la chair à canon devant lui, entre guillemets, il y a une petite règle, mais pour faire simple, on va dire que c'est ça, je n'ai pas le droit de lui tirer dessus. Il faudrait pour ça que ce soit la cible la plus proche et que mon tireur n'ait personne qui s'interpose entre la balle et sa cible pour que je puisse le tirer dessus au début. Et du coup, très bien, le chef orc que je veux éliminer, j'ai pris l'objectif secondaire de tuer le seigneur de guerre, donc j'ai vraiment envie de le tuer. Je pense que tu as bien fait de le cacher un peu là. Bonne question, il ne me reste plus que deux unités, et là ça devient compliqué. Je pourrais vouloir mettre les canons laser ici pour tirer par là, mais il n'y aura rien en fait par ici. Ce décor-là me gêne moi-même. J'ai déjà placé une unité là, donc je pourrais la mettre encore plus derrière par ici. Les canons laser ont une portée de 48, donc ils tirent littéralement plus long que toute la carte, ce qui est assez appréciable, mais je pourrais quand même viser un peu ce que je veux. Ou alors je peux les mettre par là, de façon à avoir une ligne de vue directe dans le couloir. Je sais, a priori, vu le grand trou qui fait la taille d'un véhicule orc qui est à cet endroit-là, qu'il y aura une cible. Et vu que tu as déjà placé ton chef, je sais que ce sera forcément une cible valide, que j'aurai le droit de lui tirer dessus. Je ne sais pas encore qui va commencer, mais je voudrais que si je commence, mes canons laser puissent essayer de détruire un véhicule dès le début du jeu. Je vais donc décider de mettre mes canons laser par ici. Vu qu'ils tirent très très loin, ils n'ont aucune raison de s'avancer. Ils vont donc être vraiment maximum du coin de la carte, en bons campeurs qu'ils sont. Ils sont installés avec leurs pieds dans la description des Havocs. Ils ont entre autres une mutation qui fait qu'ils ont des griffes mécaniques qui sortent des pieds. Ah, je pensais que c'était sur les armures.
Ah oui, mais les armures des Space Marines du chaos font partie d'eux. Ça mute, ouais, ça ouais. fait partie de leur corps. Ça fait. Il y a même d'ailleurs certains Marines qui ont du coup des sensations. Si tu touches leur armure, les Space Marines de Slaanesh, et je suis entre autres, pour la plupart d'entre eux, je vénère Slaanesh, même si en tant que Marines du chaos de la Black Legion, je vénère en fait tous les dieux du chaos. Le matin, c'est Khorne au petit déjeuner, au repas, c'est Slaanesh, tout ça, tout ça. On fait ça comme il faut. Mais là, en l'occurrence, je crois qu'ils sont tous sans exception avec une marque de Slaanesh. D'accord. Donc, je pense qu'ils sentent leur orteil à travers leur combinaison, ce qui permet de se déplacer et tirer sans malus avec les armes. Je t'appuie, tu les as placés. Maintenant, c'est peut-être placer l'unité. Je te vois. Je réfléchis. Ça me donnerait des informations supplémentaires, mais ce serait plutôt à ton désavantage, on va dire. Très bien, alors c'est le Squid Buggy. Okay. Qui, je pense, va lui aussi pouvoir rapidement avoir une bonne ligne de vue un peu partout. Peut-être au tour 1, aller se placer pour attraper le point là, puis ensuite bouger. Ressortir pour tirer, ouais. Et enfin, on a le Seigneur de Guerre qui a envie d'être un peu à l'abri. Heureusement, de la même manière que ton chef était protégé, du moment que j'ai les cultistes ou des gens, il ne se fera pas tirer dessus. Et normalement, cette ligne ici est censée un peu servir de garde-fou pour le corps à corps, le tout premier corps à corps du jeu. Donc, où est-ce que je vais le mettre? Il connaît des sorts et des capacités pour tenter d'améliorer les tirs de mes unités. Je pense que les menaces, tout au début du jeu, viennent des véhicules sur ta liste. Après, je peux le mettre entre les deux. Je peux le mettre par ici. Ah, il y a une arme relique ceci, avec une portée de 24. Oui, le mettre. Me voilà de retour avec le maître prêt à mesurer la distance, car mon arme tire jusqu'à 24. Donc je serai malin de... Je crois qu'entre nous, au début, il y a 24 pouces. Oui, il y a 24 sur ce scénario, c'est un peu embêtant. Donc je ne pourrais pas te tirer dessus sans me déplacer. Je pense que je vais le mettre... juste ici, même si tu me charges. Normalement, ça devrait être à peu près... Ah, ça fait quand même peur. Je vais même le mettre là. Des fois que t'es tellement de tir que pour je ne sais quelle raison, ça tue tous les cultistes. Et à se mettre ici, derrière les avocs. Très bien. Ok, on a fini du coup. Attends, il reste le short-jump Dragstar. Qui va dans son petit couloir, prêt à bondir grâce à ses technologies orques incroyables. Ouais, non, même si ce met là, il est quand même visible. Ouais. Donc je serai forcément visible de tes canons laser, tout ça, tout ça. Alors il va se mettre au bord. On va supposer qu'il va rouler... Normalement, sans utiliser ces tunnels choc. Très bien. Ensuite, on verra. Du coup, on va pouvoir maintenant faire la partie à proprement parler. Bienvenue dans le tour 1 qui va commencer. Et pour ça, on a besoin de faire le jet d'initiative. C'est-à-dire lequel d'entre nous deux va commencer la partie. Celui qui fait le plus grand nombre choisit s'il commence ou non, ce qui est généralement très avantageux. 4, je vais choisir de commencer. Et on va du coup, je pense aussi en profiter pour écrire nos points de commandement, nos objectifs secondaires, le nom de nos codex, et on vous dit à tout de suite. Eh bien, j'ai gagné ce fameux jet d'initiative. Je vais donc choisir d'être le joueur qui va commencer en premier l'alternance de nos tours. Et qu'est-ce qui se passe au début d'un tour? On a la phase de commandement. Durant cette phase de commandement, on gagne entre autres un précieux point de commandement. Moi, j'en ai dépensé aucun. De voir que j'en ai encore 3, c'est le maximum, si on n'a rien décidé d'en faire avant que la partie commence. En format patrouille. En format patrouille, donc à 500 points. Je passe donc à 4. Là où toi, tu n'en as plus qu'un, car tu as mis déjà divers bonus pour rendre des personnages plus puissants, des armes plus fortes, et ce genre de choses. Et j'en gagnerai le deuxième au début de ma phase de commandement, donc au début de mon tour. Tout à fait. Ensuite, on passe à la phase de mouvement. Chacune de mes unités peut bouger d'une valeur égale à sa valeur de mouvement et essayer de s'avancer, prendre des points, faire des trucs un peu sympas. Ah, à la phase de commandement, tu as aussi pris le contrôle du pion objectif. C'est vrai, ce pion ici, dans ce scénario, restera à moi, même si je m'enfuis de ce point. Il y a un petit drapeau qui dit que il appartient à la Black Legion pour l'instant. Même si ce n'est pas le même drapeau que celui de l'EVO, les étendards. Donc j'ai mis une marque avec mon pied, mais c'est pas un vrai drapeau. Ensuite, phase de mouvement. Eh bien, voyons voir. J'ai envie que mes bonhommes puissent se tirer dessus, c'est la moindre des choses. Les canons laser ici vont pouvoir tirer dans le couloir. J'ai mis le tour 1 qui n'était pas encore téléporté, ce qui est une bonne nouvelle. Les cultistes, bon, ils sont plutôt là, ils sont plus là pour dire que véritablement pour faire quelque chose au tir. Je pense que ce seront négligeables par rapport au reste de l'armée. Et j'ai ici
mes Havoc, qui sont eux armés de grandes mitraillettes, ces canons rotatifs Reaper, qui ont une portée que de 24. Logiquement, ils sont un peu trop loin, mais si je me déplace, ils pourraient tous tirer sur les orques, les boys, je veux dire, et essayer de les éliminer. Peut-être même que si j'en tue suffisamment, mes canons laser pourraient tuer ton chef après, ou j'en sais trop rien. Pour ça, il va falloir que mes cutis fassent de la place. Ils gênent le mouvement. Mes propres figurines bloquent les miennes, ce qui veut dire voilà, que je vais devoir commencer par faire le mouvement des cutistes, qui vont faire un petit mouvement devant. Alors, je vais voir si je veux que tous mes Havoc soient à 24, je vais me faire un petit marquage. Il faut qu'ils soient tous au moins ici. Ouais. Donc, il faut qu'eux s'avancent. Juste après ta zone de déploiement. Ouais, c'est logique. Eux, ils ont droit à un mouvement jusqu'à 6, ils font rien d'autre. Et je pense qu'ils vont faire effectivement un petit mouvement un peu comme ça, histoire de dire que ça les rapproche des orques. On leur a dit qu'ils risquaient rien, que les dieux des chaos les protégeraient. Ce genre de mensonge. Donc ils s'avancent, l'air de rien, persuadés que tout va bien se passer. De toute façon, à mon avis, ils sont prêts à donner leur vie. Ah oui, tout à fait, ils ont été endoctrinés pour ça. Et eux, ils vont continuer ici à faire une petite ligne. Je pense que je vais en laisser un ou deux ici de façon à empêcher que le véhicule qui se téléporte puisse venir trop près, car il se téléporte à 9,1. Donc, c'est bien que je balaye ici entre guillemets une zone assez large pour empêcher par exemple que tu puisses poser ta figurine ici, ce qui est le cas. Ah, tu peux ni te mettre là ni là, c'est-à-dire celui-là quand il va se téléporter, il va devoir arriver par ici. Il ne va pas pouvoir me prendre de dos. C'est pour ça que eux, je les ai fait s'avancer, mais pas ceux qui sont là. Et en plus, en finissant mon mouvement à l'endroit là, je vais dire que eux, comme il y en a un ici, juste derrière la petite caisse bleue, là, pop, qui est sur la zone, je vais décider qu'au lieu de tirer ce tour-ci, il va utiliser une action pour commencer à hisser un petit drapeau de ses mains, dans lequel il va y avoir le symbole Black Legion, qui va me donner du score dans les futurs tours. Ensuite, je vais faire le mouvement des autres unités. Cette action sera terminée à la fin de mon tour, si j'ai pas tiré, si tu m'as pas foncé dessus, si tout va bien. Eux, ils vont faire un mouvement normal, de façon à pouvoir être tous dans cette fameuse zone de 24. Donc voilà, et je vais les éloigner un peu histoire qu'il n'y ait pas quelqu'un qui le charge à travers les cultistes. Après, il faut voilà, que même le dernier, celui qui est plus derrière, soit aussi dans cette zone de 24. Il faut qu'ils soient tous à un pixel de leur socle qui soit là-dedans. Ce qui n'a pas l'air si difficile que ça à faire en vrai. Je pense que là, comme ça, ils m'ont l'air d'être tous. Et tous dedans, je vais peut-être même en avancer un peu plus, de façon à ce que quand mon sorceleur bougera, il puisse se mettre ici et aussi être à 24 des boys. Ce qui est déjà un peu moins évident en fait. Ce qui n'est pas si simple à faire d'un seul coup. C'est-à-dire que mes avocs prennent des risques. Et puis je peux me mettre un peu plus par là. Là je vais avoir la place pour poser le sorceleur. Et qu'il soit à 24. Ouais. Très bien. Puis, ben, le sorceleur va faire son mouvement et se placer juste ici. Hop. Prêt à encourager ses soldats à faire du bon travail. Remarque, est-ce qu'il ne veut pas plutôt encourager les canons laser? Attends, voir. Ah, mais non, parce que lui, il a aussi une arme de tir relique. J'ai quand même envie de le servir. Ok. Très bien. Eux, ils ont déjà la portée là où ils sont pour tirer un peu où je veux. Donc, je vais les laisser sur place. J'ai fini la phase de mouvement. Très bien. On va passer maintenant à ma phase psychique. Et j'ai ici un terrible sorceleur capable d'appeler à lui les forces du chaos. Il est capable de... Quels sont tes sorts d'ailleurs? Deux sorts. Alors, vous l'avez vu sur le plateau tournant, il connaît temps altéré, qui permet, si jamais je réussis, de refaire bouger une autre unité, ce qui pourrait me permettre de fuir très très loin de tes orques à un moment donné. Ou alors, s'il y avait eu un terrain et que toute ton armée était cachée, genre si tes boys avaient été entièrement là, j'aurais pu faire un mouvement, refaire un mouvement pour me mettre dans des ruines et là te tirer dessus. C'était une des idées du sort. Et l'autre, c'est prescience, qui permet de faire voir l'avenir partiellement à mes unités pour qu'elles puissent mieux viser. Ça donne un bonus pour mieux toucher, aussi bien au tir qu'au corps à corps. Même si dans cette liste, c'est censé servir, disons-le, principalement au tir. Eh bien, phase psychique, je vais commencer par le sort de prescience. Et je vais tenter de le manifester. Alors, je crois de tête qu'il a une charge warp de 7, c'est-à-dire qu'en lançant mes 2 dés, il va faire au moins un total équivalent à 7 pour que le sort soit réussi. On va regarder ça. Alors, discipline Dark Hérétique Plus. On va voir ça. Pression, c'est bien ça. Charge warp de 7. Ouh, pauvre cultiste, il s'est pris la colère du chaos sur la tête, je pense. 3.
C'est raté. C'est raté. Alors, est-ce que je veux utiliser un point de commandement pour relancer ça? Oui, je pense que oui. Je vais du coup tout de suite commencer par dépenser cette fameuse ressource pour utiliser des règles intéressantes de super coup. En l'occurrence, quel que soit votre codex, dans le livre de base, ici, il existe un stratagème où pour seulement un point de commandement, vous pouvez relancer un jet de dés pour espérer avoir plus de chances que ce que vous venez de faire à l'instant. Or, ça, c'était un seul jet de dés, donc pour un point de commandement, je relance les deux. Alors, voyons voir. Les deux dés qui composent ce jet. Il faut toujours que j'essaie de faire 7, comme à l'instant. De nouveau, 2 et 1, c'est de nouveau 3. Pour l'instant, la poisse, ça va sur mon personnage. Alors, sachant que, comme trait de seigneur de guerre, il y a un trait de seigneur de guerre qui vient de Vigilus en flamme, qui est spécifique à la Black Legion, donc à la sous-faction de Marines du Chaos que j'ai choisi, ça qui sont les armures noires, qui permet de peut-être ne pas dépenser mes points de commandement. Chaque fois que je dépense un point de commandement, je lance un dé, et en fait, sur 5 ou 6, comme mon blâme est un stratège expert, ce point lui est restitué. Donc là, j'ai mis que j'étais à 3 pour simplifier, mais en fait, je suis peut-être resté à 4 pendant cette fraction de seconde. Je vais lancer le dé pour savoir ce qu'il en est. 1. Non. Ok. Ben, là, pour l'instant, la chance, pas trop ça. Petite précision peut-être sur le livre Vigilus en flamme. Alors c'est des livres qui étaient sortis donc, dans l'édition précédente de Warhammer, mais qui sont toujours valables. Qui contiennent principalement des histoires pour raconter une guerre qui a eu lieu sur cette fameuse planète de Vigilus et qui ont aussi quelques règles pour faire des parties narratives qui se passeraient sur cette planète. Mais, et surtout, il y a quelques règles vraiment qui servent aussi pour le jeu égal, pour n'importe quelle armée, des nouveaux détachements spécialisés. Pour la Black Legion, il y avait des stratagèmes, des nouvelles reliques, parce que le fléau de l'ange vient de ce livre-là aussi. Et je crois qu'ils ont annoncé, le Games Workshop, qu'ils allaient sortir un nouveau livre un peu du même genre, mais spécifique à l'édition 9 bientôt. Tout à fait, ouais. Il y aurait des Dark Eldar, des Drukhari. Ouais, des Drukhari et Badass Guard. Et de Mechanicus assiégé. Ah oui, c'est ça, forges, ça va passer la deuxième plus grande forge, ouais, qui se fait attaquer par le chaos. Très bien. C'était mon premier sort, donc j'ai encore le droit à un deuxième sort. Préscience tombe à la casserole. Trop loin pour faire un châtiment. Ouais, c'est ça. Mon châtiment, mon sort à dégâts ne va que jusqu'à 18, donc je pourrais refaire un sort pour refaire un mouvement. Mais est-ce que t'as vraiment envie de refaire un mouvement? Bah, je pense pas, hein. Je pense que c'est tout. En fait, je résiste de me faire exploser la tête. Je voulais vraiment réussir ce sort de préscience qui, malheureusement, a loupé. Fin de la phase psychique. Ensuite, je peux pas tout avoir. J'ai déjà phase le premier tour, c'est pas mal. Phase de tir. Et c'est là que ça va chauffer. Ouais, c'est là que normalement les orques vont tomber. On va commencer ici par les canons laser qui vont tous les quatre tirer sur véhicule en phase 2. Pourquoi je dis tous les quatre? Si le chef de régiment n'a qu'un petit bolter qui est porté de 24, il n'est pas assez loin pour tirer. Mais les quatre qui sont là, eux, oui. Alors c'est parti. Ils ont chacun un tir, mais les canons laser, ça fait quand même très très mal. Ils touchent sur du 3+, ils savent relativement bien viser. Et je vais peut-être mettre un stratagème là-dessus. Je pense que je vais en choisir un. Pour un point de commandement. J'ai des stratagèmes aussi. Je crois que j'ai quelque chose pour faire que tu me vises moins bien, mais il faut déjà que j'ai avancé, histoire de faire de la fumée ou des choses comme ça. Je dépense un point de commandement pour utiliser Que brûle la galaxie. C'est un stratagème qui vient du codex et qui va me permettre de relancer mes jets de 1 à cette phase pour mieux toucher au tir. Est-ce que je perds ou non ce point de commandement? Comme on l'a vu, j'ai le trait de seigneur de guerre qui dit sur un 5 ou 6, je ne perds pas cette ressource. 4, je la perds bel et bien. Donc je passe de 3 points de commandement à 2. À 2. Pour l'instant, je continue de perdre mes points et je tire. C'est parti, touche sur 3+, grâce à mon stratagème, je relance les 1. J'espère surtout ne pas faire des 2. Alors, 6, 5, 6 et 1, 1. Je peux relancer grâce à mon stratagème. Pourquoi j'ai peut-être bien fait l'utiliser, qui refait un 1. Malheureusement, ce sera loupé. Les 3 tirs qui touchent bel et bien. Ils ont une force de 9, les canons laser, c'est extrêmement c'est puissant. C'est plus grand que l'endurance de mon véhicule. Je n'ai pas le double. Je n'ai pas le double. Donc je te place sur un 3 ou plus. Il y a encore un 1, ça nous fait un total de 2 blessures. Les canons laser ont une pénétration d'armure suffisante pour ignorer le blindage de la coque légère de ton véhicule. Donc, en l'occurrence, il n'a pas le droit de faire ton jet de sauvegarde. C'est ça, j'ai une sauvegarde de 4 ou plus, et toi, tu as une pénétration d'armure de moins 4. Je pense moins 4, mais c'est peut-être que moins 3. Il mériterait d'être vérifié. Canon laser, pénétration d'armure de moins 3, c'est ça. Force 9,
pénétration moins 3, dégâts de 6. Mais moins 3, ça suffit quand même pour que j'en ai plus. Il n'y a pas de. La coque n'est pas assez solide face à un canon laser. Donc tout ça, ça doit faire des dégâts. C'est ça. Ces deux jets qui ont réussi à toucher puis à blesser et qui passent l'armure font chacun perdre un des 6 points de vie. Combien de points de vie a ton véhicule ? Il y en a 8. Il y en a 8. Alors allons-y. Tu perds un total. 7. 6 et 1, 7. Et ben voilà, c'est la moyenne. Donc il serait censé lui rester 1 point de vie. Alors, je vais mettre ces points de vie là-haut pour que tout le monde les voit. Pour que tout le monde les voit, c'est malin. Puis on va passer à cette unité ici qui va pouvoir faire feu sur les orques. C'est parti. Sur les boys. Sur les boys, ouais. Unité d'avoc bien équipée. Je pense que l'aspiring champion ne va pas déclarer ses armes en surchauffe de la mort qui tue pour tout trouer mais risquer d'exploser sa propre tête. Il va juste tirer en mode soft, normal. Allons-y. Alors, chacun de ces canons rotatifs est de type lourd 8. Et j'en ai 4, ce qui nous fait 4 x 8. Bonne question. 32, tout à fait. Bien sûr, 32. Ce qui va faire 32 tirs déjà et je peux servir après. Tu touches sur 3 ou plus. Ouais. Tu t'es déplacé. Donc normalement, comme tu es une infanterie, tu serais censé avoir un malus pour tirer avec les armes lourdes. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque les Avocs ont une règle justement de pied griffu qui fait qu'ils sont bien stables dans le sol et qu'ils n'ont pas ce genre de problème de visée. Exactement. 30, on a dit encore 2, 32. Ouais. Ça fait pas mal de tirs. Ouais. C'est parti. 32 tirs pour un boy. Abattez-les. 3+. 3+. On enlève du coup tout ce qui est 1 et 2. Très bien, on a tout ceci qui touche, ça a une force de 5, ce qui est déjà, je trouve, agréable. J'ai une endurance de 4. Endurance de 4, j'ai tout filé d'un point de plus, donc maintenant je te blesse sur du 3 ou plus, ça veut dire. Allons-y, je relance tout ça. 3 ou plus pour réussir à baisser. La peau des orques. On enlève de nouveau les 1 et les 2. Et voilà, et tout ceci a une pénétration d'armure de moins 1. Or, normalement, tes orques ont une sauvegarde sur un 6. Je crois qu'ils ne sont pas dans un élément de terrain ou quoi que ce soit. Pas dans une donc, pas ça va faire autant de morts que dès que j'ai fait. Oh, c'était donc combien? 5, 10, 14 points de vie perdus. Tous les orques ont un seul point de vie, sauf le Nobs ici, là, qui a la petite bannière, qui lui en a 2. Mais si jamais tu lui enlèves un point de vie, il va mourir à cause des autres points de vie perdus par la suite. Donc tu vas sans doute plutôt enlever les petits bonhommes en priorité. Oui. Du coup, 14 points de vie sur les boys. Je vais faire juste une petite mesure. Ouais. Pour vérifier qu'il conduit de protéger ton chef. Ça, je veux garder un boys capable de protéger le chef. Donc un boys à 3 pouces ou moins de mon chef. Ouais. Donc par exemple, je peux garder lui. Et essayer d'enlever. 1, 2, 3, 4. Encore 10 du coup après ça. Et ben. 12. Bon tant pis, j'avais mis le castan, là j'avais pas réfléchi à. 12, 13. 10. 12, 13 va être encore un dernier. Encore un. Et il y a le tir du sergent qu'on n'a pas encore résolu aussi. Ah oui, c'est vrai. Qui se font en même temps en théorie. Le tir du sergent, il n'est pas à demi-portée. Il y a un tir pour le combi, un tir pour le plasma mais qui touche moins bien, et un tir de plasma qui n'est pas combi qui lui touche sur 3+. On va commencer par celui-là, sur 3+, 6, ça touche ensuite. Est-ce qu'il blesse? Il blesse sur 3+, il blesse, et du coup il y a encore un orc qui meurt, puis le combi bolter en combi. Ouais, en fait je pense que je peux continuer à enlever des bolts. Force 4, endurance 4, 5 ou plus pour le blesser, 4 ou plus, il a le fait. Et le tir de plasma en combi, qui touche, est-ce qu'il va sur 3+? Non. C'est fort de pouvoir avoir un plasma un dans fusil plasma dans une main et un combi plasma dans l'autre. C'est une seule figurine que je connais qui peut faire ça, elle est tout à fait incroyable, c'était dans les options. J'ai dû faire une petite conversion et tout, comme souvent, vous pouvez représenter le bon équipement, mais du coup il a l'air bien classe. Là j'ai finalement enlevé le boys qui était ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit que mon chef serait quand même protégé. Voilà, à 3 pouces ou moins d'un ami. Ouais. Là, il y a un gros ami. Il y a un bon véhicule, donc ça compte. Ouais. Et il y aurait sans doute quand même une unité plus proche. C'est ça. C'est pas obligé d'être la même personne qui remplit les deux conditions pour protéger votre personnage. Donc là, t'es quand même dans les clous. Ensuite, il va rester mon sorcereur. Je pense qu'il voit plus d'orques, par contre. Et je suis pas sûr si lui, il peut tirer sur qui que ce soit d'autre.
avec sa portée de 24, je pense que non, en fait, les derniers orques qui sont là-bas sont protégés par le décor. Ouais. Donc son tir est perdu. Oh. Oh, mais qu'est-ce que... Oh non. Mais, notre maître. Oh mince. Mais, comment on va faire? Je sais pas, faut en racheter un. Oui, mais pour jouer la partie, ça va être... Vous venez d'assister à un drame. Oh là là, je n'étais jamais arrivé. Oh zut. Quel... C'était un maître doux du Games Workshop. Ouais, c'est un maître officiel du Games que vous avez été offert il y a longtemps. Peut-être qu'on achètera un maître de bricolage parce qu'ils sont plus solides. Peut-être. Ouais, ah. Parce que là, en plus, on peut même plus sortir le... la languette jaune. Ouais, il est condamné. Bah, on va se débrouiller avec le... Avec des multiples de 18 pouces. Ouais, c'est ça, on va rajouter au fur et à mesure. Ça va rallonger un peu la partie. Alors, j'ai normalement, du coup, fini ma phase de tir. Puisque je décide que mes cultistes ne tirent pas, parce qu'ils vont préférer mettre un petit drapeau. Ceci dit, je vais maintenant utiliser un autre stratagème. Pour deux points de commandement ici. Je vais... Enfin, peut-être deux points de commandement. J'ai peut-être avec mon très seigneur de guerre l'occasion de les récupérer. Enfin, c'est la règle de chef de guerre digne de confiance. Utiliser un stratagème très puissant, la cacophonie sans fin. Il faut que mes marines qui vénèrent Slanesh deviennent fous et se délectent du bruit des balles dans les airs. Mais c'est comme les orques. Ça fait un peu penser à la règle de la carte de la description. Mais pour un humain, c'est quand même déviant déjà. Ouais. Pour un orque, je veux bien. Pour un humain, il faut déjà vénérer Slanesh pour oser faire des trucs comme ça. Et ce qui permet de retirer une deuxième fois. Alors, quelle unité tu choisis? Eh bien, eux, vu qu'ils ne voient plus personne, ça va être assez simple. Je vais choisir les canons laser. Forcément. C'est pour ça que je n'ai pas relancé le dé sur celui à un point de vie. Je me suis dit que je l'achèverais peut-être plus tard. Alors. Je vais regarder, parce que je sais que je peux récupérer des points, mais je ne sais pas si la règle qui vient de Vigilus en flamme de mon très seigneur de guerre dit que pour chaque point dépensé sur 5 ou 6, j'en récupère un, ou si c'est pour chaque stratagème. J'aimerais bien que ce soit pour chaque point, parce que ça voudrait dire que j'ai deux chances de... Je pense que c'est sur chaque point. On va vérifier. Alors, trait de seigneur de guerre, de la Black Legion, qui vient de cette petite livre d'extension. Chef digne de confiance. Ce seigneur fait partie du cercle intérieur d'Abaddon. Il est un membre de haut rang de la Black Legion, un des rares à appeler Abaddon par son nom et à lui prodiguer son conseil. Attention, n'a pas affaire à n'importe qui, s'il vous plaît. Tant que votre seigneur de guerre est sur le champ de bataille, jetez un dé de 6 chaque fois que vous dépensez un point de commandement pour utiliser un stratagème. Sur 5 ou plus, ce point de commandement est aussitôt restitué. J'ai donc bel et bien le droit, comme je l'espérais, de lancer 2 dés. Ceci dit, en version 9, il est bien et bien précisé, comme à la fin de la version 8, comme je ne peux de toute façon pas récupérer plus d'un point de commandement par round. Ouais. Alors, 1 et 1. Mais bon, bah. Il est digne de confiance. Il est censé, ouais, il est digne de confiance. Pour l'instant, il a oublié de donner ses ordres. Voilà. Du coup, mes points sont bel et bien dépensés, ce qui va permettre de faire activer une de mes unités qui va retirer entièrement. Et je vais prendre cette unité de canon laser, puisque comme j'affronte une liste de véhicules, en l'occurrence, j'ai envie de refaire tirer l'anti-véhicule. Maintenant, question est, comment vas-tu répartir tes tirs? Ça vaut peut-être pas le coup de faire tirer 4 canons laser sur un véhicule à 1 point de vie. Un véhicule à 1 point de vie, donc il va falloir que je tire de l'autre côté. Seulement, ton chef, on l'a vu, est toujours protégé, donc ils vont devoir tirer sur le Squeak Buggy qui est là. D'ailleurs... Il y a une partie de mes bonhommes, s'ils tirent sur le Squeak Buggy, qui vont devoir tirer à travers ici ce pan de mur en ruine. Ouais. Qui n'a pas les mêmes règles de décor bloquant que les vraies ruines qui sont ici. C'est un tout petit bout seulement. Mais qui donne, si on tire à travers, un moins 1 pour viser les ennemis de l'autre côté. Parce c'est un couvert dense. Ouais, c'est un couvert dense. C'est la règle qui vient de base. Je vais donc intelligemment dire que j'ai celui qui voit rien parce qu'il est de ce côté-là, qui lui va tirer dans le couloir pour ne pas avoir le malus et essayer d'acheter ton bonhomme. Les deux qui, eux, n'ont pas de soucis, peuvent faire un point jusqu'à ton véhicule, ils vont tirer par là. Et le troisième aussi, il peut. Il n'y a qu'un seul qui était totalement. Qui voulait passer à travers. Et c'est celui que je vais faire tirer par là-bas. Je vais en faire tirer un seul et espérer que celui-là enlève le dernier point de vie sur le Shark Jump Rasta avant qu'il se téléporte sur moi. Ce qui est très fort, c'est que tous les bonus que j'ai utilisés pour rendre cette unité plus dangereuse lors de cette phase de tir existent toujours lors de cette deuxième activation. Oui, retire. Donc tu relances toujours les 1. Voilà, donc le stratagème que j'ai dit tout à l'heure de que brûle la galaxie est toujours activé et je vais donc relancer les 1 pour toucher. Pareil, si j'avais relancé sur eux avec succès mon sort de préscience qui me donnait un plus 1 pour toucher,
il l'aurait encore, ce qui veut dire qu'il toucherait sur 2 plus relance des 1 potentiellement, et c'est ce qui fait que la liste est très très forte. Je peux rendre soit de l'anti-char très très violent, soit de l'anti-infanterie très très violent grâce à mon sorcereur, et ça me fait une liste un peu équilibrée, qui permet d'essayer de faire face à toutes sortes de menaces. Ils vont donc tirer, comme je l'ai décrit, 1 ici, 3 par là-bas. On va commencer par le tir sur celui qui est en face. Alors, suspense. 3 ou plus, relance des 1. 6, ça touche. Force de 9 contre endurance inférieure, mais je n'ai pas le double de toi, je vais sur 3 ou plus. 1, non ! Et j'ai pas et moyen de relancer. Tu n'as pas de relance des 1, de blessure, ouais. Tu les as seulement en touche. Donc, il va bel et bien survivre à 1 point de vie. Il fume. Ouais, je sais pas s'il fera grand chose avec un point de vie, mais c'est déjà ça. Et on a du coup les 3 tirs sur le Sweet Buggy qui est à la diagonale de la carte, mais j'ai porté 48, donc j'ai quand même la portée, ce qui est appréciable. Je fais un 2 malheureusement, donc j'ai que 2 touches. C'est la même endurance, j'imagine, donc pour 3 plus pour blesser. 9 des canons laser, 2 blessures, ça passe ton armure. Ils font chacun un dé de 6 points de dégâts, ce qui fait un total de 4 seulement. Ah. Pas terrible, 2 dés de 6, mais bon. Combien de points de vie là? Je crois qu'il en a 9. Je pense qu'il en a, ouais, il me semble qu'il en a pas mal. Je crois qu'il est, il a plus de points de vie que le Shock Jump Dragstar. Le véhicule est plus gros, on voit qu'il y a plus d'orques dedans. C'est ça, il a 9 points de vie. Très bien. Donc, moins 4, ça fait 5 restants. Et ben c'est pas mal, pour un premier tour, je suis déjà content. J'ai quand même tué pas mal d'orques, même si les véhicules sont toujours là, tous. Ils fument bien, mais ils sont toujours là. Ouais. J'ai fini ma phase de tir. Les boys aussi, ils ont bien. Ouais, bien shooté, hein. Les boys, c'est ceux qui ont plus morflé et se sont fait abattre violemment par les canons rotatifs Reaper. J'ai fini, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de corps à corps, ni rien. Il y a du moral aussi. Ouais. Alors, les boys ici. Chaque unité qui a subi au moins une figurine en perte, qui est mort à ce tour-ci, doit faire un test pour voir s'ils sont suffisamment courageux, sinon il y a une chance que les autres de la même unité s'enfuient en disant que c'est trop violent, ils vont rentrer à la maison. Alors, ces fameux boys, ils lancent un dé de 6 plus le nombre de figurines qui sont mortes sur 6. Un dé de 6 plus 14. Voilà. Si c'est supérieur à leur total de score de commandement, du coup, eux, qui du coup est de... je sais plus, mais c'est de moins, dire, que voilà, 14, moins que 14, c'est sûr. Ça va être difficile de réussir. Eh bien, il y a un fuyard tout sûr, et le reste des orques de faire un test d'attrition pour voir est-ce qu'ils s'enfuient sur un 1 au dé, ou... un 2 aussi, si jamais l'unité est déjà à moitié mort. Parce qu'ils sentent que leur fesses chaussent à chauffe et ils veulent s'enfuir. C'est ça, donc dans l'ordre, c'est test de morale. Puis si le test de morale est raté, test d'attrition. C'est ça, test de morale. Normalement, il est forcément loupé. Mais en version 9, contrairement en version 8, un 1 au dé de 6 est toujours une réussite. Ils sont très courageux. Je vais prendre un dé vert. Ils décident de ne pas. Des orques. Un orc. Ben voilà, le dé vert. Très bien. Bon, bah. Moi aussi je fais des 1, hein, pas quand il faut. C'est mon premier jet de dé de la partie. C'est vrai, c'est vrai. Fin du coup de mon tour, c'est ton tour 1 qui commence. Et oui. Tu vas pouvoir gagner un précieux point de commandement. Également mettre du coup un petit drapeau sur le pion objectif qui est de ton côté. Je vais pouvoir replacer le poteau. Oui, les boys étant morts, on peut le remettre. Voilà. Un peu plus joli à la caméra. Hop là. Petit poteau vert. Très bien. Et c'est du coup la phase de mouvement qui commence. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de beau maintenant avec tout ça? Bon, il y a sans doute les véhicules qui vont vouloir foncer le plus vite possible sur toi. Jusque-là, tout va bien. Bon, je vais commencer par faire avancer les véhicules et ensuite je ferai se déplacer les boys ici pour aller attraper le point ou faire des choses. Mais si jamais je les bouge en premier, ils risquent de bloquer un peu le passage. Ouais, ouais, donc je vais les bouger après. Comme vous pouvez voir, ça peut être important du coup de savoir dans quel sens on séquence, c'est-à-dire on choisit qui avance. Moi, de la même manière, si je voulais que mes Avok puissent tirer, il fallait d'abord que je pense faire bouger mes bonhommes, et ensuite mes Avok devaient avancer dans la place qui avait libéré. Dans la place qui avait libéré les cultistes. Normalement, c'est un décor assez léger. Les cultistes, ils se prennent les décors. Quand le truc a sauté, pareil, un cultiste qui s'est pris. Ils sont là pour ça, les cultistes, ils se plaignent jamais. Très bien. Alors, donc, voilà. le mouvement. Je vais commencer par le mouvement de mon chef ici. Ouais. Le Deathkiller Warthrike. Alors, et il a un sacré mouvement. Ouais. Puisqu'il a un de base. De 14 de base. Mais il est Evilson, c'est ma sous-faction. Entièrement peint en rouge, et les orques sont persuadés que les véhicules peints en rouge vont plus vite.
il le croit suffisamment fort que ça devient vrai. Du coup, il a plus 2 à sa valeur de mouvement. Tout à fait. Ça fait 16. Ouais. Et si je choisis de faire qu'il avance, ce que je vais faire, parce que ça ne va pas me donner le malus. Peux utiliser une fois par partie. Je peux utiliser une fois par partie. Le petit grotte ici, le Gretchen à l'arrière qui est en train de verser du carburant directement dans le réservoir pendant qu'il roule. Et pour dire que, au lieu de normalement lancer un des 6 et d'ajouter le total à mon mouvement, bah, j'ajoute directement 6. C'est ça. Donc 14 plus 2 parce que je suis Elite Sons, plus 6 parce que j'avance et je fais automatiquement la valeur maximale. Ouais, ça fait beaucoup. Et ben ça fait 22. Et j'ai encore oublié un bonus qui est que les Elite Sons ont aussi plus 1 à tout leur jet d'avance. Donc ça fait 23. Voilà, tu peux aller jusqu'à 23. Si tu passes par les caisses, tu vas être bien obligé de faire. Oui, je vais être bien obligé. Ça te fait un petit moins 2 comme c'est le terrain dit difficile. Donc ça fait un mouvement de 21. C'est ça, tu peux te déplacer jusqu'à 21. Déjà là, ça c'est déjà jusque 18. Ouais. Et ensuite ça, plus 3. Plus 3. Ben, mets-moi le plus près possible des cultistes à peu près. Ça fait que c'est ici. Voilà, là je suis bien. Là, t'as fait ton mouvement et tu as décidé de faire un jet d'avance. C'est-à-dire que c'est l'équivalent quand quelqu'un est court. Normalement, quand on fait ça, ensuite, on ne peut plus charger et on tire moins bien, voire on ne peut pas tirer avec la plupart des armes. Lui, il a justement des règles d'orc fou furieux. Il peut speed boss. Voilà, il peut quand même charger, même après avoir fait ce mouvement impressionnant. C'est la particularité de cette figure. Il peut même donner cette règle à tous les véhicules autour de lui, ouais. Tous les speed freaks. Il les encourage à foncer dans le tas. Du coup, ça c'était le mouvement de ton chef, le fameux seigneur de guerre orc qui fait très peur au corps à corps. Puis on va faire le Shock Jam Dragstar, qui a la même valeur de mouvement et à peu près les mêmes règles. Donc mouvement de 14 plus 2, 16. Ouais. Et s'il avance, il a plus 1 au jet d'avance. Ouais, du coup, ça nous fait un total de 17. Et 17 plus 1, 26. Ouais, voilà. Alors la question, est-ce que je veux le faire avancer ou pas? Parce que si tu avances, il va enclencher son téléporteur de tout droit sorti de tout vers le futur. Ça. Et il va se retrouver à 9 ou moins de moi où il veut sur la carte. Donc s'il va d'ici à là-bas, on peut faire un mouvement incroyable. Donc on va se téléporter coller à un ennemi. Donc en l'occurrence, il se rapproche plus en ne se téléportant pas, mais en avançant avec ses pneus. Tout à fait. Donc il vaut mieux qu'il appuie pas trop sur le champignon quand il va démarrer. Tout à fait. Voilà. Il va aller jusque devant le cratère. Ouais, c'est ça. Il va s'arrêter devant le cratère. Ouais. Zoup. Et on peut, du coup, grâce à ces jolis petits socles d'objectifs, les enlever pour faire de la place, ce qui est fort pratique. Et ensuite, il va me rester... Alors, le... Ouais, non, je vais commencer par les boys. Alors les boys, qu'est-ce qu'ils font ces fameux boys? Bah, ils vont avancer. C'est parti. Alors, attends, ouais, lui, il reste un point de vie. Alors, eux, ils doivent lancer un dé de 6 pour que j'avance. Ouais, waouh, à quel point ils courent vite avec leurs jambes d'orque. Ça va. Alors, ils ont de base un mouvement de 5, ouais. Plus 1 parce qu'ils sont Elixons. C'est 6. Pas un plus 2 parce que c'est pas des... Ouais, c'est déjà 6, plus déjà 4, 6. Ça fait 10, 6. Plus 1 parce que c'est une avance d'Elixons. C'est 11 au total. Ils peuvent traverser les murs. Ouais. Ils peuvent passer à travers les murs de la rue, ouais. Puisque on considère qu'ils peuvent passer à travers les fenêtres, les portes, ou ils se débrouillent, voilà, ils escaladent. Et donc, ouais, ils peuvent aller jusque là-bas. C'est ça. Ce qui est bien, parce que comme ça, ils peuvent aller prendre l'objectif, eux aussi. Ouais. Un plus gros flingue et tout. Ils vont pouvoir sans doute tirer sur les cultistes ou je ne sais quoi. C'est ça. Très bien. Les boys ont fini leur mouvement, il reste encore le truc Squid Buggy qui attend là-bas. Qu'est-ce qu'il veut faire? T'as dit qu'il voulait peut-être aller capturer le point là, ou se rapprocher pour me tirer dessus, ou les deux. Ouais. Ça semblait pas évident. Après, s'il se met là, il verra, plus rien, en fait, à cause de la rue. Il verra même pas les Avocs là-bas. Sauf peut-être si jamais il se met dans une position étrange, voilà, ouais, ça marcherait. Un petit pneu sur le tapis, c'est là. Ça. Et la tête du véhicule qui dépasse par là. Tu auras peut-être un moins 1 pour me tirer à travers le truc si tu fais ça. Ouais. À cause de la règle de... C'est pas forcément grave parce qu'il pourra peut-être tirer sur les cultistes ou sur autre chose aussi. Pas faux. Ces armes sont des armes à déflagration donc elles ont intérêt à tirer sur des unités très nombreuses. C'est vrai que ça. Alors lui il a un mouvement de 10 plus 2 parce qu'il est Elite Sun, ça fait 12. Ouais. Si je passe à travers la ruine, ça va... à travers la barricade ici, ça va faire 10. Moins 2 donc ça fait 10 parce que c'est un terrain difficile. Mais tu peux avancer. Oui, je peux avancer. Il va avancer. L'un des 6 plus 1, donc 5, qui sera jusqu'au 12, donc il peut aller jusqu'à 17, si on contourne la barricade. Ou 15, si jamais il passe à travers la barricade. C'est ça. Et ben, c'est ce qu'il va faire.
Il y a largement le mouvement. Largement le mouvement, c'est la faute de l'air. On va mettre voilà, les pneus arrière ici. Qui capture le point et l'avant du véhicule qui permet de tirer sur mes bonhommes. Très bien, on va mettre voilà, ces 5 points de vie qui suivent. Fin du mouvement. Là, il aurait même ouais, l'avant qui pourrait peut-être tirer sur un avant. Ouais, suffit là-bas. Que tu puisses en tirer sur un sans passer par le point de vue. Je sais pas qu'est-ce qui vaut le mieux. Peut-être quand même tirer sur les. Fin du mouvement, du coup. Ouais. Phase psychique, il n'y en a pas pour toi. Mmh. Phase de tir. Alors, tu commences par quelle unité? Les orques ont presque tous des armes de sous-type assaut, qui peuvent donc tirer même si on a avancé, mais c'est. Je vais commencer. Ça donne un malus de moins 1 pour toucher. Sauf pour les Abyssals. Ah oui, c'est vrai. Qui ont décidément beaucoup de bonus, ouais. Et notamment qui n'ont pas de malus pour tirer avec leurs armes de type assaut après avoir avancé. Un peu comme tes Sororitas, qui peuvent se déplacer et tirer sans malus. Y a... Ça c'est ressemble vrai. Un peu. Hein. C'est vrai, ça ressemble un peu, ouais. C'est fun. Peut-être que les boys sont ceux dont la portée va le plus limiter leur choix de cible. Ouais, tir K12, c'est ça. Tir K12, oui, avec des. De toute façon, tirer que sur les cultistes. Ouais, donc sauf le gros flingue, je sais ouais. pas. On va commencer et faire tous tirer sur les cultistes. Très bien. Alors. Donc ceux qui ont des. Alors les petits pistolets, c'est quoi? C'est des calibres, c'est ça? Ouais. Donc il y a trois calibres. Le noble, le chef de régiment, ah, il n'a même pas d'arme de tir parce qu'il a deux scies à la place des bras. Ce qui n'aide pas pour appuyer sur des gâchettes. Alors allons-y. Trois tirs qui touchent sur 5 ou plus. Parce que c'est bon... assaut ou c'est pistolet? C'est pas du pistolet par là? Ah. Si c'est pistolet, ils n'ont pas le droit de tirer à part. Ah oui, effectivement, oui, tu choisis très bien, t'as raison. Ce ne sont pas des mitraillettes orques, mais des pistolets. Hein. Je crois qu'ils ne peuvent peut-être pas tirer. Ils peuvent peut-être même pas tirer en fait. Bon bah. C'est pas bien grave, hein. Ils sont oui. juste là pour taper. Trois tirs qui voilà, comme ça, j'en ai vu. Je ne sais combien, 5 ou 6 ce sont. Effectivement, c'est du pistolet donc ouais. ça ne va pas tirer. Et donc juste le gros flingue qui va pouvoir faire ça. Il y a juste le gros flingue. Alors, qu'est-ce que c'est comme arme? Alors, ça a porté 36. C'est tirant, hein, toute la carte, presque. Assaut 3. Ouais, donc 3 tirs. Force 5, pénétration d'armure de 0 et 1 point de dégâts. Tu tires sur qui avec ça? Tu peux te choisir un peu ce que tu veux. Tu n'as juste pas le droit de tirer sur mon personnage, ici le sorceleur, parce qu'il est protégé, comme on l'a expliqué tout à l'heure, grâce à la règle de attention, monsieur. Ouais, attention, monsieur, c'est ça. Je pense que je vais quand même tirer sur les cultistes, parce que comme ça n'a pas de pénétration d'armure, ouais. c'est trop compliqué. Sinon, de... Sinon, je vais sans doute survivre, ouais. Ouais. Ok. Alors, 3 tirs qui touchent sur 5 ou plus. Il y en a un qui touche. Très bien. On va voir si ça blesse. Force 5. Endurance de 3. Ça fait 3 ou plus. 3 ou plus. 4, ça blesse. Pas de pénétration d'armure. Ils ont droit à leur armure complète. Ils sont protégés par aucune barricade ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, allons-y. Ça, je crois qu'il n'y a pas de radius hein, autour de couverdance, là, pour donner une protection aussi. Que non, ça donne non, non, une... ça donne pas un couvert léger. Très bien. Eh ben, ils ont une armure sur un 6. Ils ont de petites tuniques, comme vous pouvez voir. Le tissu. Ah, c'est comme les orques. C'est ça. Est-ce que ça protège des balles? On va voir ça. 1. Il n'en est rien. Il y a un cultiste qui va apprendre que malheureusement, le tissu, ça n'arrête pas les balles ici. Qui a succombé. Mm. Une balle de gros flingue dans la tête. Très bien. Alors ensuite, une petite suivante. Ensuite, on va faire. Je vais faire tirer le. Deathkiller Warthrike. Mm. Comme il a lui aussi, justement, des armes qui ont une courte portée. Et oui. Et notamment des espèces de lance-flammes. Donc il a des jets qui tuent. Ouais. Il a une pince qui attrape avec laquelle il peut tirer. Et il a trois fusils doubles qui bougent. Alors on les voit, il y en a deux devant et un dans la main du pilote ici. Ouais, tout ça a à peu près pas de pénétration d'armure. Donc tout ça va aller sur les cultistes. Tout sur les cultistes. Ouais. Alors il y a peut-être des trucs qui touchent automatiquement, je crois. Ouais, on va commencer par le jet qui tue. Alors, ça fait. Alors. En mode crâne. C'est le réacteur en fait, ça. Arrière qui se retourne, il fait une petite manœuvre et il essaye de brûler les gens avec son. Alors avec ça son... fait 1 des 6 attaques qui touche tout automatiquement. Comme un lance-flamme. Une. Une seule, pas terrible. Ouais. Est-ce que tu veux en relancer ça? Peut-être pas, peut-être des stratagèmes plus intéressants pour un point. Je ne sais pas, telle est la question. Reste que 2 points toi. Tu as regardé la liste de mes stratagèmes. Bah oui, j'ai mis pas mal de bonus. Tout ça, je l'avais mis déjà avant la bataille en fait. Te rend plus redoutable, t'as pris un menu custom sur le véhicule là et tu as un détachement spécialisé qui fait que tu as pu prendre une relique pour rendre ton véhicule à ta moto. C'est un trike de luxe qui a une sauvegarde invulnérable et des meilleures résistances. Ça te donne aussi accès à des stratagèmes uniques qui viennent de toi du coup
aussi d'un Vigilius, je crois, l'autre Vigilius. C'est ça, l'autre Vigilius. Donc, Vigilius... Insoumis. Non, je vais garder mes points pour faire autre chose. D'accord. Donc, un tir qui touche, qui blesse sur... Alors, c'est une force de 5, donc 3 ou plus. En plus. 5, ça blesse. Blesse. Pénétration d'armure, 2 moins 1. Il y en a un qui brûle. Ça tue un cultiste. Ouais, c'est ça, il y a un autre cultiste qui va cramer. Ah. Alors... Je vais peut-être enlever plutôt celui là-bas. Il m'a l'air plus prudent. La pince qui attrape, c'est assaut 1. Donc ça touche pas automatiquement, donc déjà il va falloir toucher sur 5 ou plus. 5 ou 6. Non. Non. Ensuite, on avait les 3 fusils double qui boum. Vu le nom double qui boum, ils font 2 tirs chacun. C'est ça, ils font 2 tirs chacun. 3 fois 2, 6 tirs. C'est bien, on s'y repère facilement avec les orques. Alors ça a une portée 12, et si la cible est à mi-portée ou moins, j'ajoute 1 au jet de touche. Largement 4, t'es genre à 3 de portée. Du coup, je vais toucher non pas sur 5 plus, mais sur 4 plus. Sur 4 plus, pas mal. C'est une belle différence. Oh, puis je vois les moins 2 cartes déjà. Ouais. Alors, il y a 4 qui touchent, ouais. Mais il y a parmi ceux-là un 6. Un 6 qui va invoquer la règle du Daka. Il y a 3 fois. Qui est le bruit du coup des gâchettes orques qui tirent frénétiquement. Ce qui permet à essayer, c'est une règle spécifique de son collègue, de retirer gratuitement une balle. Qui n'a pas touché. Très bien. Donc ça fait 4 touches. On va voir si ça blesse. Force 5. Oh, contre endurance 3, c'est toujours du 3 plus. Ah, bah une blessure. Voilà, il y a une pénétration d'armure. Non. Le tissu magique sur un 6, on croit. 1, non, il y a encore un cultiste supplémentaire qui va... Non, pas lui. D'ailleurs, j'ai planté un vrai drapeau à la fin de mon tour. Je sais pas comment on le met. Mets un dé par-dessus le dé. Un dé par-dessus le dé. Petite, c'est magnifique. Voilà. Donc, parce que c'est quand j'ai pas tiré avec eux, j'ai eu le droit de faire ça à la place. Et donc, j'en ai un qui meurt. Levez haut les étendards. Exactement, voilà. haut. Parfait. Et ben voilà. Unité suivante. Alors, ce Rocketrux Squid Buggy, qu'est-ce que fait-il? Il a plusieurs profils d'armes. Mm-hmm. Il va devoir en choisir un. Il doit choisir quel type de squid il prend dans son pick-up, là, à l'arrière de son véhicule pour le mettre dans son canon et cracher ça sur mes pauvres cultistes. Ouais, l'idée, c'est d'éliminer un maximum de cultistes pour faciliter ma charge derrière. Et oui. Ou la permettre tout court, puisque là, pour l'instant, sinon, ils font bien leur rôle de cordon de sécurité. C'est vrai. Du coup, je vais mettre effectivement toutes mes armes sur les cultistes. Mm-hmm. Normalement, j'aurais une portée suffisante pour aller aussi sur les avocs ou derrière, ou des choses comme ça. Mais tu préfères t'acharner sur... Ouais. Alors, je vais mettre mes lances squig, ouais. Lance squig lourd et lance squig normal, en mode squig deal. Très bien. Qui est celui qui fait plus de tirs. Allons-y, alors, ça fait combien de tirs? Alors, lance squig lourd fait 2 dés de 6 tirs, mm-hmm. Mais c'est une arme à déflagration. Donc, selon le nombre de figurines que j'ai, si j'ai suffisamment de personnes, comme on imagine que le squig habile explose et crache la bile de ses intestins partout en zone, ce qui est absolument dégueulasse, eh bien, si jamais à ton jet de dés, tu fais une valeur suffisamment basse, c'est remplacé automatiquement par une meilleure valeur. Alors, comment ils sont ces cultistes? Alors, en l'occurrence, là, il y en a 3 et. 3, 6 et 3, 9. Ils ne sont donc pas 10 ou plus. Pas 11 ou plus en fait. Je crois que c'est 11. C'est plus que 5? Non, c'est 5, 10. Je croyais que c'était 6, 11. C'est 6, 11? Ouais. Ouais, tu as raison, c'est 6, 11. Ouais. Ils ne sont donc pas 11 ou plus, comme il y en a qui sont déjà morts à l'instant. Mmh. Ce qui fait que tu vas avoir gratuitement, si tu fais moins que 3 au dé, au moins 3. Et si jamais ils avaient été encore à quelques bonhommes en plus, tu aurais automatiquement fait la valeur maximale. Peut-être que j'aurais mieux fait de séquencer mes tirs autrement. Du coup, déjà, j'avais commencé par les gens qui avaient peu de portée. Ouais. Mais en fait, j'avais pas pensé que. Dans ma tête, ils étaient innombrables, ces cultistes. Ils étaient 20 comme mes boys, mais en fait, ah non, ils étaient 12, je crois. Ouais. Et du coup, en fait, c'est pas grave. Alors. On se rendra pas la prochaine fois. Lance Quick Lourd va faire 2 dés de 6 touches. C'est parti. Et chaque dé de 6 fait minimum 3. Ah, ça tombe bien, t'as fait un 1 et un 1. Du coup, grâce à la règle qu'on vient d'expliquer, le mot-clé déflagration va offrir des 3 à la tête. Au lieu de faire 2 tirs, t'en fais 6. Voilà. Ouais. On va voir maintenant, est-ce alors, que ça touche. Ça touche. C'est un flingueur grotte qui le vise. Oui, on voit qu'il y a une sorte de petit gobelin qui est aux manettes, ici, là, sur le siège avant à gauche. Du coup, je vais toucher sur 4 ou plus avec ces armes-là. Trois touches, pas de Daka, on va voir si ça blesse. Force de ce profil
À Bill, c'est combien? Eh ben, ça n'a pas de force, ça dit juste que ça blesse normalement toujours sur 4 ou plus, ah, à moins que ça cible un véhicule. C'est direct de poison, tout du coup. Mais comme je n'ai pas n'importe quel squig, j'ai des squigs customisés, oui. Des nitroglycés squig, j'en rajoute un à mes jets de blessure. Ce qui fait être un de tes précieux points de commandement avant la bataille. Donc ça va être 3 ou plus. 3 ou plus pour blesser. 2 blessures. Alors, est-ce qu'il y a une pénétration d'armes? Non. Il y a les vêtements sur un 6 en sauvegarde de protège, 5 et 5, il n'en est rien. J'ai déjà de nouveau deux cultistes trépassent. Ensuite. Ensuite, encore le lance-quid normal. Mm-hmm. Un des 6 minimum 3, du coup 5. Ben, c'est mieux que 3, donc on garde bien sûr 5. Celui-ci, il est tiré. Pas par un gobelin, donc, mais par un orc qui est là derrière. Donc ça touche sur 5 ou 6. Il vise moins bien avec ses gros yeux. Oh, papa, il vise. Il vise moins bien, bien, ça va, même double Dakar. C'est ça. Sur des 6. 3 touches, mais 2 dés qui peuvent peut-être rajouter des touches. Non. Non. Alors 3 touches, c'est déjà bien. Mm. On va voir si ça blesse. Ça blesse aussi sur 3 ou plus. 3 plus, comme on l'a vu tout à l'heure. 2 blessures. 2 jets de sauvegarde sur des 6. Il y en a un qui réussit, donc un loupé et encore un cultiste qui meurt. Ok. Très bien, très bien. Ensuite. T'as fini tous les tirs du Squid Buggy. Ouais. Il nous reste plus que le chemin. Normalement, il a encore un fusil et un squig à manche, mais ça a qu'une portée de 12. Je suis pas sûr qu'il les ait. Ah, bah, je pense que t'es pas loin, 12 à mon avis. Peut-être 12, il les a. Ouais, ouais, 12, ouais. T'es dedans. Alors, donc, il va pouvoir tirer avec son fusil. C'est l'orc ici à l'arrière qui est une espèce de shotgun. Une espèce d'orc obèse, là, il rentrait tellement bien. Avec un gobelin sur l'épaule. Alors, allons-y. Alors, ça fait 2 tirs. Il a bien qu'un seul fusil. Oui, oui. Oui, lui qui a un seul fusil. Ouais. Assaut 2. Donc, 2 tirs qui touchent sur 5 plus. Alors, on voit ça. Un Dakar. Une touche, mais c'est peut-être un Dakar. C'est ça. Alors, une touche déjà. Ensuite, on va voir s'il blesse. 3 plus, a priori. Non, c'est une force de 3. Oh, c'est un tout petit fusil. Mais si jamais je suis tué à mi-portée ou moins, mais là, c'est pas le cas. À mi-portée 12, on sera à 6. On va rien coller. T'avais plus de force. Plus 1 en force, ouais. Alors, du coup, force 3, endurance 3. 4 ou plus pour blesser. Non! Ah ah! Si j'avais été au corps à corps. C'est ça. Très bien. Et là, il a vraiment fait tous ses tirs. Ouais. Il est trop loin pour lancer sa petite grenade à manche. Il ne nous reste plus que le véhicule bien fumant, là, qui s'est fait blesser. Mais il est encore en plein potentiel là, pour tout essayer de tirer toutes ses armes. Malgré ses jambes. Alors, lui. De mémoire, il a par des armes. Par contre, il a des. Voilà, c'est ça. Ouais, il a des armes qui sont vraiment anti-lourd. On voit un énorme fusil là. Ce serait peut-être un peu du gâchis sur les cultistes. Je pense aussi. Il y a plusieurs tirs, il y a aussi des roquettes sur le toit, et une espèce d'énorme pseudo-canon laser devant. Il y a son fusil choc custom et un lance-roquette. Il utilise les énergies du warp, donc c'est dangereux de tirer avec. Ça risque de lui exploser la tête aussi. Tu commences par faire quoi? Je pense que je vais tirer dans tous les cas sur les Avok Lascalon qui sont là-bas. Qui sont ceux que tu sais qui vont détruire les véhicules. Ouais, et qui sont ceux qui sont. Le plus loin pour que je les charge éventuellement. Exact. Alors avec toutes tes armes, c'est parti. Première arme, tu commences par quoi? Roquette ou alors... Commençons par le fusil choc custom. Le fusil de la mort qui tue. Alors lui, il est tiré par un grotte, ici présent, qui a également un squig viseur ici pour augmenter son arme. Du coup, il va toucher sur 3 ou plus. Pas mal. Allons-y, 3 ou plus pour toucher. Alors, assaut 2, par contre, si je fais un jet de touche de 1, l'énergie instable du moteur. Mon véhicule subit une blessure mortelle, ce qui pourrait le tuer. Si, c'est vrai. On va se faire un point de vie. Oh, 5 et 6, c'est 2 qui touchent. Il y a un Dakar. Il y a un Dakar Dakar qui peut peut-être me tuer d'ailleurs. Beaucoup de Dakar, hein. Qui en général ne marche pas, mais non. Très bien, 2 touches, c'est déjà pas mal. Force de. Force de 8. 8, mais une endurance de 5, ce sont des Avok. C'est-à-dire que j'ai tout pile. Suffisamment pour que tu n'aies pas le double moins. Tu vas me blesser du coup que sur 3 ou plus, pas 2 ou plus. Sachant que les 6 pour blesser font une blessure mortelle, et cette fois-ci sur toi. Voilà, j'espère que tu n'as pas de 6. 1 et 5. Donc ça fait 1 jet qui blesse. Ouais. Pénétration d'armure, j'imagine qu'il y en a une conséquence. Moins 3. Moins 3. Zone de sauvegarde de 3 ou plus, quand même, armure énergétique. Donc on enlève 3 points, 3 ou plus, ça fait que ça devient 4 ou plus, 5 ou plus, 6. Donc sur un 6, il tient bon. Et sinon, je perds des points de vie. 1. Malheureusement, je perds des points de vie. Je vais décider que c'est celui qui n'a pas de canon laser, le chef ici, le Aspiring Champion, qui va se prendre le. Il subit 1 des 6 points de dégâts. Le coup. Alors 1 des 6 points de dégâts, mais il n'a qu'un seul point de vie, donc dans tous les cas, il va juste mourir un certain nombre de fois, mais il n'y a que lui qui va être tué par ce coup redoutable.
Et on a encore les roquettes maintenant. Le lance-roquette qui est assaut 1. Assaut 1, allons-y. Là, pour le coup, c'est vraiment un... un tir normal d'orque, donc sur du 5-6. Ouais. C'est parti. 6. Oh là là. D'accord, ça touche avec un potentiel. Oh oui. 2 touches. Oh non, non. Force 8 également. Ouais, ça blesse sur 3 plus. 2 blessures. Pénétration. Moins 2. Moins 2, donc sur 5 ou 6, tout va bien. Ça c'est embêtant, je pensais pas que tu ferais autant. Ouais. 5 et 1, et ben, j'en ai 1 qui va perdre sans doute plusieurs points de vie. Ça fait 3 points de dégâts. Donc un seul point de vie, donc il y a encore un deuxième qui meurt là-dessus. Et ça c'est bien pour moi. Ah là là là, j'ai perdu des bananes. Ça fait peur. Très bien, fin du tir pour de bon. Mm-mm. Mais les orques, eux, n'ont pas que du tir. Ils ont aussi malheureusement du corps à corps, les amis. Et oui, et du très bon corps à corps. Très bon corps à corps. Alors. Alors. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut savoir. Ah, la déclaration des charges. Voilà, mon Deathkiller Warstrike donne une aura au début de la phase de charge à tous les véhicules alliés à 6 ou moins de lui, ouais, qui leur permettent de charger même s'ils ont avancé. Exactement. Donc là, ça va s'appliquer sur lui-même. Ouais. Ça s'applique sur le Shock Jump Draxa, mais il n'a pas avancé de toute façon. Mm-hmm. Mais ça ne s'applique pas sur les boys. Tout à fait. Alors, du coup. Alors. Voisin qui est en train de monter un meuble Ikea ou quelque chose. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. C'est le bruit de la bataille dans les airs. Je pense que les orques tirent sur la Black Legion. Alors la bonne question c'est quelle serait mais la distance de charge nécessaire pour atteindre Théavok d'un côté ou de l'autre? Ah, compliqué. Avec quelle figurine? Avec ton chef? Faisons avec le chef d'abord et puis on... Je vais avoir besoin aussi de le savoir pour l'autre, probablement. Je sais pas si son socle il passe entre le... C'est une épaisseur de combien, ce truc? 3,5, c'est ça? Je crois, ouais. Bah, ça passe pas. Ah, ok. Donc, a priori, ouais, ici... Par rapport à la gauche, c'est interdit. Voilà, il serait bloqué ici, en fait. Mm-hmm. Parce que lui, c'est pas une infanterie, il peut pas traverser ce bout de mur qu'il y a là. Ouais. Donc, il va être obligé de contourner par là. Ce qui fait forcément passer par un cratère, en plus. Ouais, du coup, alors... Tu vas nous faire 5, t'es là, puis hop, 3, t'es ici, encore 1, t'es toujours pas, ça nous fait déjà 5 et 3, 8, et 1, 9, et 1, c'est une charge à 10. Moins 2 à cause du cratère. Moins 2, c'est une charge à 12. Ouais. Avec 2 des 6. Ce qui est super compliqué. J'ai un stratagème pour faire une charge éventuellement, non pas avec 2 des 6 pour la distance, mais avec 3 des 6. Ah, là ça devient intéressant. Et là, 12. Ouais, là c'est faisable. Sachant que j'ai un plus 1 parce que je suis Edison, tout ça. Ah. Que je peux relancer des dés. Faire 11 en fait avec 3 dés. Ouais, ah, c'est pas mal. Ça peut peut-être se tenter. T'as des points, ouais, ça coûte 2. Ça coûte 2 points. T'as là tout pile économisé. Zut alors. Après, c'est une grosse prise de risque puisque si jamais je n'arrive pas à faire ce total. Et que donc je n'arrive pas à distance de charge des AVOC. Mais il reste sur place. Je reste sur place et je ne charge même pas les cultistes qui sont pourtant à 2 cm de moi. Ouais. C'était le but d'essayer de faire cette bulle ici, ce U en forme de protection devant les AVOC, c'était de justement rendre la charge compliquée. Après, je peux peut-être simplement charger les cultistes, tous les tuer. Et ensuite engager. Consolider, voilà, faire un petit mouvement supplémentaire pour au moins être au corps à corps de tes AVOC et ça serait quand même déjà très gênant pour eux. Tout à fait. C'est peut-être un peu plus sûr. Voilà, donc plusieurs options. Alors, est-ce que tu tentes un mouvement à haut risque, donc qui peut potentiellement te mettre très mal dans la partie, mais si ça marche, te donner une grande récompense, ou si tu préfères jouer sur quelque chose de plus fiable et grignoter ce que tu es sûr de pouvoir manger, plutôt que de faire une sorte de grand pari, comme ça. Allez, je fais le grand pari. Tu fais le grand pari. C'est ce que n'importe quel orque, ouais, tu vas dire. Je vais faire donc... 18 de 8. Le stratagème qui s'appelle... Fond sur les cultistes. Qu'est-ce que ce stratagème? Je ne connais pas. Ah si, c'est celui que tu avais utilisé il y a longtemps. Vitesse d'épronage. Ouais, ça me dit quelque chose à ce coup. Ouais, qui vient du codex orc. Qui permet à un véhicule donc, de charger à 3 dés de 6 pour la distance. Puis, quand il arrive au corps à corps... Il fait des blessures mortelles. C'est ça, sur un 2 ou plus, il fait des 3 blessures mortelles à ce qu'il a chargé. Bon, ben, on respecte du coup ta charge. Donc je charge les cultistes et... les AVOC. Tu pourrais en théorie faire un tir en état d'alerte. Attention, parce que si tu fais ça, tu pourras pas être sur les cultistes. Oh. Tu vas finir ici et tu seras pas au corps à corps des... Ah si, tu peux te mettre par là et taper le cultiste là à travers le mur. Ok, non, c'est bon, c'est faisable. Tu peux.
Oui, du coup, on va dire que je charge les deux. Ok, c'est parti. Alors allons-y, avec 3 dés de 6, donc, tu dépenses d'abord tes 2 points de commandement, que tu n'as pas de règle pour essayer de les récupérer. Tu ne peux pas faire de tir en état d'alerte parce que ça te coûterait un point de commandement. C'est ça. S'il me restait un point de commandement, j'aurais pu utiliser une règle spéciale du livre de base pour que ces unités se rendent compte qu'on va leur foncer dessus et dans la panique, ils essayent de tirer gratuitement mais en touchant sur des 6. Même si ça coûte un point de commandement et que ce chef digne de confiance, à mon instant, décide de faire la sieste, eh bien je n'ai pas ce précieux point que j'espérais avoir pour tirer en contre-charge. Alors 3 dés de 6 et on a retenu que au total, il faudrait que je fasse au moins 11. Au moins 11 pour que ça coûte. Oh, et ben ça fait 15. Ça m'a l'air d'être largement suffisant. Oh là là, je crois que la partie va tourner au vinaigre pour moi. Il faut qu'il soit au corps à corps. Et alors, et là, comme ça, il peut. Ouais. Parce que là, il tape à travers le mur là, et il tape sur le mur. Parce qu'il n'a pas le droit de traverser le mur, mais il a le droit de taper à travers le mur. Très bien. On va faire aussi la charge de ce Shock Jump Dragsta sur les cultistes. Du coup. Ouais, lui, ce serait un peu fou de croire qu'il passera là. Il y a des limites. Puis je peux pas lui remettre. Alors, quand t'as fini de me charger, c'est là qu'on fait des blessures mortelles aussi. Oui. Je sais pas si c'est à la fin de la phase ça, de charge. C'est quand tu me charges. Vraiment, tu me charges. Enfin, la plupart, cette règle-là, je la connais pas par cœur, mais la plupart des règles de charge fonctionnent de cette manière. Donc, un des 3 blessures mortelles sur les Havoc. Sur 2 ou plus. Sur 2 ou plus déjà. Oui. 1. Ah bah non. Ils sont pas écrasés par les pneus, c'est bien. Ouais. Ça fait plaisir. Puis donc, lui il déclare une charge sur les cultistes, assez simple à faire. Ça fait 6. Alors tu passes même pas par le cratère. Il va falloir faire 6, donc c'est tout bon. Tu finis. Ah, j'ai un plus 1 aussi. Moins. Ça fait 7. Voilà, ça y est. Tu veux que je le déplace un peu plus pour laisser la place aux boys? Non, eux ils peuvent pas charger. Mmh. Et lui non plus, donc ça change pas grand chose. Change pas grand chose. Fin de la phase de charge, on va passer à la phase de corps à corps. Alors tu veux activer laquelle des deux? On commence par le Deathkiller Warthrike. Deathkiller Warthrike, alors il doit choisir s'il tape les Havoc ou les cultistes. Bien sûr, il va taper les Havoc. Oui, bien sûr, il va taper les Havoc. Bien plus dangereux, ils sont une cible prioritaire à abattre. Il a combien d'attaques? Alors, il a normalement 5 attaques. Ouais. Mais avec son trait de seigneur de guerre, la raison du plus fort, il en a 6. Très bien. On voit 6 quand même. Hein. Je crois qu'il tape fort. Ça tape fort. Alors, allons-y. Alors, et il touche sur 2+. Très bien. Parce que contrairement à la phase de tir, corps à corps, ils sont précis. Ils sont précis, alors ils savent taper là où ça fait mal. Alors, c'est parti. Ah, il y a 2-1. Mmh. Et pas de daka-daka corps à corps, ça ne marche pas, il n'y a pas de bruit de balle. Alors, ça nous fait 4 touches, ensuite force, sans doute un truc complètement hallucinant. Force, alors, ça fait force plus 2 par rapport au profil. Ouais, son arme donne plus 2. De base, tout nu, il donnerait des patates avec une force de... Normalement, il a 5. 5. Plus 1, à cause de la raison du plus fort, ça fait 6. 6. Plus 2 pour son arme, ça fait 8. C'est qu'il donne des coups à force 8. Heureusement, je donne de 5, donc tu me blesses sur 3 ou plus. Mais la pince qui attrape permet de relancer tous les jets de blessure faits avec cette arme. En 3 ou plus, on relance des 1 et des 2. Ah bah, que des 3. Tout qui blesse. De toute façon, tu as une bonne pénétration d'armure avec cette pince. Moins 2. Moins 2. Alors normalement, ils ont une sauvegarde d'armure de 3 plus. Moins 2, ça passe à 4, 5. Sur 5 ou 6, j'ai 4 G. Ça me fait peur. Je veux pas perdre mes précieux avoc. Tu n'as aussi 2, ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc 2 figurines qui vont mourir. Je vais choisir le sergent. Ici, ça doit être passé. Ainsi que un des avocats qui, ceux pas, qui n'a pas le combattant en tant que tenant. Alors on se souvient que j'avais choisi celui qui n'avait pas de viseur bionique. Pas de viseur bionique, donc celui-là. Et celui qui regardait vers le bas. Donc, je crois que c'est celui-là. Donc les deux plus proches. Les deux plus proches doivent rester en vie, donc je vais essayer. Ça va être les deux-là qui vont mourir sur cette charge redoutable. Très bien. J'ai droit à un petit mouvement de 3 pour me rapprocher. Mais tu es déjà collé, à toi, donc voilà. Lui, par contre, lui, il va aussi pouvoir s'activer. Ouais. Est-ce que tu veux qu'il bouge un peu vers quelqu'un? Ouais, je vais peut-être, comme tu as dit, quand même, lui faire un peu de place pour des boys pour plus tard. Et il se colle, voilà. Et il fait ses attaques. Il a combien d'attaques au corps à corps, alors? Alors, Shock Jump Dragstar. Il a 4 attaques. 4 attaques qui touchent sur lui. 4 ou plus. C'est parti. Il est moins précis que le chef, heureusement. Ça fait 2 touches. Ils ont une force de... Alors, les lames de 6, ça fait force 6. Oh, et j'ai une endurance que 3, donc t'as tout pile le dos, donc tu vas sur 2 ou plus. Pauvre cultiste. Bah, 2 blessures, pénétration d'armure de moins 1. Ça, du coup, comme j'étais que sur 6, 6 moins 1, je passe à 7.
Avec mon dé de 6 sans bonus au dé, je peux pas. C'est toujours bizarre de dire 6 moins 1, 7, mais bref. C'est comme ça que, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que le jeu est écrit. Je vais donc. J'ai moins 1 à mes jets de sauvegarde. Ouais. Mais j'ai pas moins 1 au dé de 6, mais on se comprend. Du coup, j'ai deux cultistes qui meurent d'office. Ben, je vais enlever les deux qui sont ici, ça change pas grand chose. Comme ça, ceux qui vont rester là pourront faire des postes. Mm. Cultistes tombent comme des mouches, mais ils sont là pour ça. Et t'as fini de faire ta attaque de corps à corps. Ouais. Donc je vais pouvoir faire ma riposte. Alors, les cultistes ici vont tous décider de taper sur le véhicule à un point de vie en espérant par ouais. miracle lui déglinguer son dernier boulon. Ils ont tous qu'une attaque, sauf le chef de régiment, ici le chef cultiste, qui lui a une attaque de plus. Peut-être ici. Que tu le rapproches un tout petit peu pour ça. Bah, il est à un demi d'un gars à un demi, donc... Ah, il est à un demi, oui, t'as raison, ouais. Parce que effectivement. Là où il est, il peut. Ce qui me fait un total de 5 attaques. Je touche que sur 4 ou plus. Alors oui. J'ai 3 touches, force de 3 pour une endurance de... 6. Donc, ce sera sur du... 6 pour baisser. Sur du 6, mais sur un 6, peut-être que je déglingue son dernier point de vie. Ouais. Oui, il y en a un. Je suis sûr que c'est le chef. Ah, dans un dernier élan, d'un coup de talon dans le pneu qui était sur le point d'exploser. Alors, j'ai mon armure. C'est vrai. Alors, j'ai des 1 pour toi, j'ai une chance sur 2 d'exploser grâce à ce petit coup de cultiste ouais. bien placé dans le réacteur choc. 5, non, oh, tout va bien. Le véhicule survit. Suite, souvent. Ouais, mais il avait explosé, finalement, il aurait fait des blessures mortelles sur tous tes gars. Ouais. Ça aurait peut-être été pas si mal, en fait. Il n'y a qu'une petite chance qu'il explose. Ouais. J'aurais bien aimé, moi, le détruire. Et on passe maintenant aux Avok, ouais. qui vont tous pouvoir... non, pas tous, celui-là, il peut taper sur personne pour l'instant. Donc, pourrait lui... taper justement lui-même sur Shogun Draxa aussi, si il se rapproche un petit peu. Je sais ce que je veux dire, lui, il va faire un petit mouvement entre chaque ennemi la plus proche, et lui aussi. Parce qu'au moment où on active une unité, ils ont le droit de bouger un peu. Puis ils vont taper. Lui, il est obligé de taper sur le chef, puisqu'il est trop loin pour taper ici, mais les deux là, grâce à leur petit mouvement, vont pouvoir tenter de donner le coup qui manque pour achever le véhicule. Alors on va commencer par une attaque ici, il n'y a qu'une seule attaque, touche sur 3 plus, 6, ça touche le chef, force 4 contre endurance, de plus que ça, donc pas 8, je te blesse du coup sur ouais, 5 ou 6. Endurance 7 seulement avec tout. 3, ça loupe. Et enfin, les deux attaques des Avok sur le véhicule, sur 3 ou plus, 5 et 5, 2 touches, force 4 endurance de 6, 6 donc ce sera du 5 ou 6. 2 blessures. Les marines, ça n'a pas des attaques supplémentaires quand on les charge ou quoi ou c'est Mais non, exact, c'est vrai. Tout à fait. Ils avaient des attaques. Oui. C'est pas ouais. que les Space Marines de l'Imperium, c'est aussi les chaos. C'est une règle différente, du coup, c'est Hateful Assault. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais voilà. Ils ont la haine. Et du coup, ils ont le droit à une attaque de plus parce que tu les as chargées. J'ai totalement oublié. On les fera juste après. Ouais. Déjà, il y en a deux qui te touchent et qui te blessent. D'accord. Donc. Deux chances à nouveau de perdre ton dernier point de vie. Il a perdu doublement. Alors, est-ce qu'il explose au moment où une figurine de véhicule comme celle-ci est censée être retirée du champ de bataille, peut-être son carburant, la pire, son réacteur temporel disjoncte et il reste un gros cratère sur le champ de bataille. Sur un 6, il explose et là, j'espère fortement qu'il va faire 6. Ouais. Parce que pour une fois, il exploserait que sur toi. Ouais, et pas sur tes bonhommes, parce qu'il y a une petite zone d'explosion, et ça ne toucherait que mes troupes, en l'occurrence. Allez. Alors. 1. Oh non. Ah, je vais passer un point. Hop. Ce qui est bien, c'est que ça te fait aussi un combattant tant que tenons de moins. Si, à éliminer. Et on a donc lui qui a le droit à une attaque de plus, grâce à la règle de... Hateful Assault. Alors je cherche le nom français, elle n'est pas écrite dans le codex en fait, c'est une règle qui a été rajoutée après coup. C'est vrai que je ne connais pas son nom français, elle est juste écrite dans un FAQ, mais il faudrait que je regarde. Alors il touche sur 3 ou plus, il touche, force 4 endurance de plus que ça, mais pas 8, 5 ou 6 pour blesser, ça ne blesse pas. Très bien. Ben j'ai fini du coup de faire la riposte au corps à corps, et c'est la fin du coup de ton tour. Ouais. On va maintenant faire le moral. Parce que moi aussi, j'ai eu toutes sortes de pertes. Alors eux ici, je lance 1 des 6 plus le nombre de pertes. C'est parti. 1 des 6 plus 2. C'est bon. 5. Est-ce qu'ils peuvent vraiment le rater? Je pense qu'ils ont un commandement de 7. Bah du coup, non. 6 plus 2, 8. Oui, t'as raison. Donc, je crois que ça aurait fait un fuyard potentiellement. Ah, c'est une Black Legion. Moi, en tant que sous-faction, j'ai un plus 1 en commandement. Pas très fort, mais ça peut servir. En fait, avec 2 à Avok... C'est ça, avec deux Avok morts, je suis sûr que tout va bien. Je vais pas lancer le dé pour eux, parce que même sur mon pire jet,
tout va bien. Et les cultistes, eux, par contre, c'est pas la même. Et, ils ont eu pas mal de pertes. Je lance un dé. 2 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 10. Ils ont un commandement, je crois, de 6, parce que le chef est encore en vie. C'est loupé. Il y a donc déjà d'office un cultiste qui est déclaré fuyard. Puis, le reste des cultistes encore vivants va faire le fameux test d'attrition dont on a parlé tout à l'heure. Je lance un dé pour chacun d'entre eux. Sur un 1, il s'enfuit. Mais j'ai un malus de moins 1 à ce jet de dé si l'unité est déjà plus que moitié mort. C'est le cas. Donc, concrètement, sur 1 ou 2, j'ai à chaque fois une figurine qui se dit que c'est fini, on rentre à la maison. J'ai fait un 1, donc j'ai encore un cultiste qui s'enfuit. Je choisis la suite, il n'y a ni le chef, ni l'arme spéciale ici. Maintenant, je pense juste pour vérifier voilà, qu'ils sont toujours à 2 pouces ou moins l'un de l'autre, très bien. Ok, fin de la phase de morale. Pour tout le monde, ton tour est terminé, c'est à moi, et on va passer au round numéro 2. Et ben, round 1 qui aura tout déjà... Tout à fait sanglant, il n'y a plus de point de commandement, nulle part. C'est ça. Moi, et je vais en gagner un, justement. Ouais. Début du round, je gagne un point de commandement, parce que c'est la phase de commandement. Ensuite, durant cette phase de commandement, on regarde est-ce que je capture des points de victoire grâce aux objectifs principaux et secondaires. Alors, j'ai en l'occurrence, en objectif principal, l'occasion de gagner des points si je contrôle au moins un objectif. C'est le cas, je contrôle celui-là. J'aurais pu en gagner encore 5 autres si j'en contrôlais un deuxième, ce n'est pas le cas, tout est à toi. Et encore 5 autres si j'en contrôle plus que toi. Donc, en l'occurrence, j'en gagne 5 ici parce que j'en contrôle 1. Je vais passer à 5 sur un maximum de jusqu'à 45 grâce aux objectifs principaux. Puis, j'ai le drapeau de Levéo les étendards qui a bel et bien été dressé par les cultistes, qui du coup va me permettre de gagner un point de commandement au début de chacun. Un point de victoire. Un point de victoire, merci. Ici, sur les 15 maximum. Et voilà pour ma phase de commandement. On va passer maintenant à la phase de mouvement. Eh bien, il est temps de fuir comme des lâches. C'est ce que nous savons très bien faire. Je pense que les cultistes qui sont là, ils vont fuir. Avec un mouvement de 6, ça permet quand même au chef d'aller dans la zone, ici pour essayer de faire partie des gens. Ouais, j'ai quand même 3 orques dedans, donc. C'est ça, si pour l'instant tes orques ont toujours la priorité parce qu'il y a plus de figurines que moi. Mais si j'arrive à les tuer, mais je ne sais pas comment j'arriverai à les tuer en fait. Avec mon sorcereur peut-être, je ne sais pas. Ça paraît légèrement compliqué maintenant. Alors ensuite, il y a tes avocs. Ah, eux, ils vont se montrer Stella à tirer sur le chef. Et du coup, il faut que ceux avec les... Avec les canons rotatifs fuient, sinon je n'ai pas le droit de tirer ici. Alors ils vont faire un mouvement de fuite, ils vont faire un mouvement de 6, ça va faire arriver jusqu'ici. Là, je vais pouvoir bouger le pion. Je me souviens qu'il y a tout ça qui est là. Hop. Ça, c'était leur mouvement de fuite. Ensuite, il me reste encore Sorcerer qui n'a pas bougé. Je pense qu'il va également reculer pour se protéger derrière ces hommes. Il va faire un mouvement de 6 pour se mettre comme ceci. Et reste des avocs avec les canons laser. Ils vont rester. Marc, ils vont peut-être se rapprocher pour que si je tue déjà ton chef. Ah, c'est pas facile. Après là, ils ont la vision sur tout le monde. Ils ont la vision sur tout le monde, mais si je veux tirer sur lui, j'ai des malus en fait. Il a combien de points de vie ton chef? Non, il est solide comme tout, je crois en fait. Et puis mon chef, il sauvegarde un vulnérable. Okay. On va pas bouger, on est bien ici. Alors, la phase psychique. Le sorcereur va commencer par faire un châtiment. Il va tenter de griller partiellement la cervelle de pilote qui est en face de lui. Alors, c'est un sort, je dois faire au moins 5 pour réussir à manifester, avec 2 dés. J'ai fait un total de 7, le sort est réussi, ça te fait 1 des 3 blessures mortelles, qui passe toutes tes sauvegardes. C'est ça que ça veut dire, blessure mortelle. 1. Est-ce que j'utilise un point de commandement pour ça? En espérant le récupérer. Il n'est pas digne de confiance. Je vais du coup le laisser tel quel. Alors, mon dev qui va avoir travaillé des 8 points de vie, il passe à 7. Il passe à 7, ça c'était le premier sort. Hop, je te laisse placer des petits dés de points de vie. Ensuite, le sort de préscience, il a une portée de combien? Est-ce que je suis suffisamment proche en fait pour le lancer sur les avocs qui sont là-bas, je ne suis pas sûr. Si tu étais un Eldar, je te dirais que oui. Mais tu n'es pas un Eldar. Non. Préscience à une portée de 18. Ah oui, c'est large. Oui. Je tente une préscience pour faire que le canon laser voit l'avenir et puisse mieux viser.
c'est une charge warp de 7. Alors, est-ce que j'ai réussi à lancer 6, mais c'est pas possible. Et là, tu veux peut-être utiliser un point de commandement. Peut-être. Ou pas. C'est dur. Oui, allez. Allez. Est-ce qu'il vaut mieux faire la préscience, peut-être, ouais, ou que brûle la galaxie à coup sûr? Non, il vaut mieux. Il vaut mieux peut-être le faire gratuitement sur tout ça. Ouais. Est-ce que je récupère ce point sur 5 ou 6, il est enfin digne de confiance. Parce que pour l'instant, ces conseils à la badonne, ça doit être un peu un peu du pipeau. Hein. Alors, 6. Oui, ah, il a réussi à se souvenir que finalement, il pouvait donner des ordres de manière intelligente. Je ne perds donc pas ce point. Plutôt, il m'est restitué. Ensuite, je relance ce jet de dés grâce à ce stratagème de relance. Sors ce choix science. Sur un 7. 7. Tout il réussit. Ces bonhommes-là ont plus 1 pour toucher. Fin de la phase psychique. Ensuite, phase de tir. Eux, ils ont fui, ils peuvent pas tirer. Eux, ils ont fui, ils peuvent pas tirer. Il reste ces deux unités-là. On va commencer par le chef qui va tirer sur ton seigneur de guerre ici, car il n'a plus de personne d'unité pour le protéger. Je pensais qu'il tirerait sur les boys plutôt. Eh bien, en fait, j'ai une arme de tir rapide. Ah, je dis oui. Que si je suis à demi-portée, je fais le double de tir et du coup, je vais quand même essayer de m'acharner sur lui. Ça, je connais pas bien les stats de Thermolite, mais si elle se trompe, elle est déjà plutôt rentable. Elle peut déjà peut-être faire un peu mal. Alors, notamment cette relique, on va justement aller la chercher, qui vient également Vigilus en flamme. J'ai fait d'ailleurs toute une belle conversion pour représenter le combi bolter qui porte le nom du fléau des anges. C'est une arme spécialement dédiée à tuer l'Imperium, puisque la Black Legion, leur spécialité, c'est bien sûr de les tuer les serviteurs du cadavre faux empereur. Alors, en l'occurrence, le fléau des anges, portée 24, tir rapide 2. Donc, comme je suis à moitié portée, je fais 4 tirs. Mon sorceleur a une capacité de tir qui lui permet de toucher sur du 3+. Parti. J'en ai 1 qui loupe, 3 qui touche. L'arme a une force de 5. Contre une endurance de 7. Donc 5 ou 6 pour blesser. 5 ou 6 pour blesser. Allez, allez. Il n'y en a aucun. Pas terrible. C'était dégâts 2 en fait. Pénétration moins 2. Et chaque balle fait dégâts 2. Et son pouvoir de relique, c'est que si en plus tu as le mot-clé Imperium, ça fait dégâts 3 sur une balle. C'est pour ça que c'est le fléau des anges, il est prévu pour tuer les Astartes, on sait que les anges de l'empereur. Ce qui permettrait ça permettrait de tuer un custodes d'une seule balle. En théorie, c'est quand même pas mal. Mais ce n'était pas suffisant pour, en l'occurrence, cette fois-ci, passer c'est, le blindage. C'est pas un ange, c'est un orc. C'est... Exactement, ce n'est pas un ange, ça ne fonctionne pas. Puis, on va passer au canon laser, et si là je tue pas le chef, comment dire, je pense que la partie. Est mal barrée, ouais, alors allons-y. Je touche sur du normalement 3+, mais en l'occurrence sur du 2+, parce que j'ai mis mon sort de préscience. Mon point de stratagème, je vais plutôt le mettre pour relancer des dégâts ou quelque chose comme ça, je ne vais pas le dépenser tout de suite. Allons-y. J'ai fait 1, 2, 3. Le 1 est loupé, car je n'ai pas mis le stratagème pour relancer le 1. Le 2 touche grâce à la préscience, le 3 touche aussi. Force 9 contre endurance. De 7. Donc je blesse sur du 3+. 2 et 4. Est-ce que tu veux relancer un... Oui, je vais utiliser mon point de commandement. Ça ne sert à rien que je regarde si je le récupère, car ce round-ci, au round 2, j'en ai déjà récupéré un. Donc ma règle ne permet pas d'être super digne de confiance de la mort et de pouvoir gagner encore et encore des points. C'est maxé à 1. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une annonce de la police qui dit qu'il va y avoir une tempête de neige cette nuit et qu'il faut faire très attention. C'est Noël après tout. Non, pourquoi pas. Il faut dire qu'à Boston, quand il neige bien. Ouais, il neige bien. Donc on peut comprendre qu'il y a des annonces de ce genre. Du coup, je vais relancer ma deuxième blessure pour voir s'il arrive à blesser. En plus, 6. Ah ah, 2 blessures. Pénétration d'armure de moins 3, mais tu as une sauvegarde invulnérable, je crois. C'est ça, une sauvegarde invulnérable. Sur 5 ou 6, grâce à mon trike de luxe de. Comment s'appelait cet orc légendaire ? Scargrim ? Peut-être, oui, ça sonne bien. Je vais aller voir. On va aller voir le nom du premier propriétaire. Trike de luxe de Scargrim. Scargrim, bien vu, tu as des raisons. Donc. Ok. Une petite sauvegarde invulnérable sur 5 ou 6. Bah, j'espère que tu vas louper. Hein, ça va être un jet de dés important. Ah, 2 sont loupés. 2. Ça fait 2 dés de 6 points de dégâts. Il te reste que 7 points de vie. En théorie, ça devrait peut-être suffire. La police revient. Sa petite annonce. Allons-y. 5 et 1, 6.
Il reste, mais c'est la, malédiction. Et tu n'as plus de point de commandement. Il reste toujours un point de vie. Et là, je pense que je vais le charger. Oh. Je pense que je vais foncer au corps à corps avec un couteau, essayer de l'achever comme ce qui est arrivé au dernier véhicule. Mais ceux qui ont désengagé ne peuvent pas charger. Donc ouais, ça va qui ont battu la charge des types qui sont là, du coup. Alors, fin du tir. Ouais. Oh là 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 là. Phase de charge. T'as pas de quoi faire de tir interdite. On va commencer par les lance canons. Ils vont tous déclarer une charge. Alors, ça a une portée de... enfin, un peu moins de 7. Une distance, ouais. Distance, voilà. Il faut que je fasse 6 au moins avec 2 des 6. Ça devrait aller. Ça devrait aller. 7. 5 et 2, 7, c'est réussi. Allez-y. Allez-y. Lâchez les canons. Sortez le couteau. C'est parti. Et le chef va charger aussi. Sûr. Oh. Allez. Il a une épée de force. Voilà, lui, il a une vraie arme pour s'y tuer le chef. Il va charger par là. Histoire de ne pas être le plus proche, on peut tout ce qu'il faut. Il va se mettre ici et je vais bouler tomber de point de vie. Ok. On va commencer par le sorcereur qui dégaine son épée de force, qui alimente. C'est pas une épée de force. C'est pas une épée énergétique, c'est une épée de force. Ah, c'est-à-dire que c'est alimenté par sa force psychique, ouais, sa force psychique qui la rend supérieure. Pareil, je fais une petite conversion pour qu'il ait l'arme en question alimentée par un câble qui sort de sa tête, comme le sceptre qu'il avait d'origine. J'ai aucune idée du nombre d'attaques que ça a. Je crois que c'est une des premières parties qu'on joue où le sorcereur se décide à aller au corps à corps. En général, il court en arrière en lançant des sorts et en tirant, en criant. Et alors ça, sorcereur, je vais venir marquer page. Sorcereur, il a 3 attaques, mais en chargeant, il a une de plus. Et donc, 4 attaques qui touchent sur du 3+. C'est pas de peur, en fait. J'en ai réussi 3. Alors, mon arme me donne une force de utilisateur. D'accord. Une force 4. Donc, 5 ou 6 mois. Heureusement, endurance 7. Une seule blessure. Pénétration d'armure de moins 3, dégâts d'être 3. Allez, la sauvegarde vulnérable. Sur 5 ou 6. Pour l'instant, il n'en a pas réussi. Ça, il n'a pas été très chanceux sur ses jets de sauvegarde. Mais il a fait une belle charge tout à l'heure. Ouais. Alors, allez, le trail de luxe. 6. Ah. Mais il reste encore les Avoc maintenant. Les couteaux. 6 coups de couteau. Ça fait quand même. Ça commence à faire peur déjà. Et la préscience va servir. Ouais, parce que la préscience qui donnait plus 1 pour toucher, c'est au tir comme au corps à corps. Donc ils touchent sur 2+ aussi au corps à corps. Ils ont vu l'avenir, ils ont vu qu'ils survivraient, qu'ils arriveraient à charger et qu'ils sortiraient leur couteau. C'est parti. Alors, 4 qui touchent, dont 2 grâce à la préscience. Force 4, endurance de plus que ça, mais pas le double. 5 ou 6 pour laisser 2 blessures de nouveau. Soit si c'est la sauvegarde d'armure, donc 4 ou plus. 4 ou plus, sans doute pas. Normalement, ouais. Statistiquement, au bout d'un moment. Allez. Oui. C'est pas vrai. 5 ou 6. Ça va être la riposte de l'ordre. La riposte. Non. Désolée. Franchement, t'as fait les bons choix tactiques, là. Mais à un moment, les dés ont été pas d'accord. Au secours. Alors, c'est parti pour 6 attaques. Tu le mets sur qui, alors? T'as le choix entre les Avoc ou les sorcières? J'en viens pas. Il y a combien de points de vie ton sorcereur? Je sais pas, je dirais 4 ou 5. Mais tes coups font sans doute plusieurs points de dégâts chacun. C'est ça, ouais. Alors, sorcière a 5 points de vie. Et les Avoc n'en ont qu'un. Donc en gros, il faut que j'ai. Ouais. Plus ou moins 3 attaques qui te blessent et qui passent l'armure et tout ça. Ouais. Donc pour qu'elle touche, qu'elle blesse avant, que ça passe son armure. Allez, on va mettre tout sur le sorcereur. Tout sur le sorcereur, ok. Parce que avec le châtiment au corps à corps, il serait encore capable de me tuer. Au tour d'après, ouais. Au tour d'après. Donc on met tout sur lui. Ouais. Alors c'est parti. Je touche sur lui de plus déjà. Ouais. Allons-y. Donc il touche. Ensuite, pour blesser. Force 8 en tout. Endurance 4, c'est du 2+. Et je relance 4. Donc j'ai peut-être été un peu trop prudente. Mais on sait jamais. Il y a tout qui blesse. Pénétration d'armure de moins 2. Donc on sera sur du 5 ou 6. On est combien à faire? 6. Très bien. 5 ou 6, on a dit. Je n'ai réussi aucun. Bon. Tu as combien de points de vie? 6 des 3 dégâts, du coup. 6 des 3 dégâts. Bon, j'en ai mis un peu trop. Si tu lances les dégâts ou juste pour rigoler un peu pour voir combien ça faisait par curiosité. 3 et de 5 et de 7 et de 9 et un 10 et un 11. Ok, tu fais 11 points de dégâts. Il est mort. Pof, le petit cœur. Ouais. Détruit en contre-charge. Il aura fait l'erreur d'oser charger un orc. Même s'il lui restait qu'un point de vie.
Bon, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Hein. C'est pas encore gagné la partie. Fin du coup de la phase de corps à corps pour moi. Phase de morale. Ben, j'ai pas fait perdre. Toute mon armée a psychoté, tiré, chargé ton chef. J'ai mis à un point de vie, mais c'est tout. Donc, c'est la fin de mon round 2. C'est le début de ton round 2 qui commence. Tiens. C'est parti. Alors, je vais commencer par gagner un point de commandement. Tout à fait, début de la phase de commandement. Alors, je vais remettre un petit point ici. Hop. Ensuite, est-ce que tu contrôles des points avec tes objectifs principaux? Eh bien, oui. Tu contrôles un paquet. Tu peux mettre un dé vert sur le point là et sur le point là. Hop, pour un scénario, on sait qu'ils t'appartiennent. Est-ce que tu contrôles un objectif? Oui. Est-ce que tu contrôles au moins deux objectifs? Oui, tu en as même trois. Tu contrôles plus que moi, bah, j'en ai toujours que un. Donc oui. Tu passes donc à 15 sur 45. Voilà. Pas mal. J'ai un peu d'avance là-dessus. Donc, c'est maintenant la phase de mouvement qui va commencer. Ouais. Alors, je regarde juste, est-ce que j'ai quelque chose pourrait permettre à mon gars de, je sais pas, battre en retraite et en même temps le recharger derrière. Tout le monde n'est pas un codex sororitas, mais... Non, ouais, ouais, c'est fini les codex qui peuvent tout faire. Là. Les orques foncent et font mal, mais c'est tout. S'il y en a un, je l'ai pas noté, à mon avis. Ça n'existe sans doute pas. Bon, bah du coup, Dev qui va en retraite, c'est sûr, il va rester là-bas. Ouais. Alors, ensuite... Du coup, j'ai mes boys et mon Squeak Bucky qui eux peuvent bouger. Ouais, qui peuvent faire leur mouvement normal, comme si de rien n'était. Il y a deux pauvres cultistes là qui ont osé se rapprocher du point. Ouais. Les boys pourraient les exploser très très vite fait. Est-ce que, en repartant par là-bas, ils auraient des chances d'aller faire une charge? Non, à mon avis, ce serait un peu loin. Si c'était là, et ensuite tu veux charger. À travers le cratère, ça m'a l'air un peu chaud. Ça fait 8 et 2, ça fait une charge à 10. C'est pas impossible, mais bon, tu risques de rester sur place quand même. Mmh. Vu que là, tu n'auras pas de super stratagème avec 3 dés de 6 et tout. C'est que sur des véhicules et tout tout ça. Donc, faire 10 avec 2 dés de 6. Après, t'as la règle orc de on y va. Ouais. Qui dit que tu relances les dés, donc ça commence j'ai à devenir. Plus un. Ouais, t'as un plus un plus t'es vite scène. Ça commence peut-être à être faisable en vrai, mais pas évident. Pas évident. Et si je vais par là-bas, ouais. Mouvement de 6, pareil, là je suis tellement loin. Ouais, c'est encore pire, ouais, c'est la folie. Il n'y a pas de cratère, mais ouais. Bah, il manque un pouce pour aller à 18, donc t'es à 17. Ouais. Fais un mouvement de 6. Ça fait une charge à 11 et pas à 10. Ça fait une charge à 11, ouais. Bah écoute, on va se déplacer par là-bas. Ok, tu fais un mouvement normal pour finir devant le cratère. Ouais. Hop. Parce que je me dis, au pire, même si je rate ma charge, je reste sur le point, tu peux tirer sur les cultistes comme ouais, si je peux tirer sur les cultistes, je peux faire plein de trucs. Alors, tu peux pas être à un ou moins des cultistes dans tes corps à corps. C'est ça. Voilà. Très bien. Ensuite, et le véhicule. Il y a le buggy qui lui est libre de bouger comme il veut. Ah oui, dans ce scénario, les points sont tout le temps capturés. Spécifiquement, dans Info Psychologica, on n'a pas besoin de rester sur le socle pour le contrôler. Donc le Squeak Buggy peut maintenant sortir de sa cachette pour me canarder. Même s'il peut déjà tirer sur les cultistes de là où il est, mais peut-être pas tirer sur les robots, parce qu'il est protégé ici par ce décor-là. Sur les canons rotatifs. Ouais. Exactement. Du coup, il va faire un petit mouvement histoire de bien les voir. Voilà. Ok. Très bien. Ok. Eh ben. Bon. Fin du mouvement. Phase psychique, t'en as pas. Phase de tir. Alors. Phase de tir. Je vérifie, mais je crois que mon Dev Killer Warthrack n'a pas de pistolet. Non, on peut pas tirer du coup. Ah, mais c'est un véhicule. Ah, mais oui, version c'est un 9, véhicule. Il n'y a aucun souci. Qu'on soit encore à corps ou pas, on peut tirer. Il fallait faire moins 1 pour toucher, mais après tout, sur des armes qui touchent automatiquement. Comme le jet qui tue. Comme le jet qui tue. C'est pas un gros malus. C'est bien. Voilà. C'est pas une arme à déflagration. C'est tellement fort que même à un point de vie, il puisse faire encore tous ces tirs et tout. C'est comme si je n'avais rien fait. Alors, score. Un des 6 tirs avec le jet qui tue. Ouais. 3 tirs, alors ça auto-touche. Ça auto-touche. Force de 5. Contre-endurance de 5, 4 ou plus. Une blessure. Pénétration d'armure de moins 1. C'est parti, ça fait une sauvegarde sur 4 ou plus. Elle est loupée. Ah. J'ai plus de temps. C'est déjà un invoque qui meurt, comme aucun point de vie. Ça rend ta charge des boys plus dure. Je suis un déçu là. C'est vrai. Donc bon, ça vaut le coup. Du coup, je changerai peut-être d'avis et j'irai peut-être sur les cultistes. Enfin, on verra bien. Ensuite, arme de tir suivante. La pince qui attrape. Ouais.
C'est parti. Alors... Elle doit bel et bien viser. Donc, elle ne touche que sur un 6. Ouais, elle va toucher que sur un 6. Et ben, 6. Ouais. Et Daka. Daka. Ah là là, ce touche. Chef. Il fait peur. Ça est force de 4. On dit en 5, donc 5 ou 6 pour blesser. Ouais, mais je peux relancer les jets de blessure ratés. On fait au tir. Ouais. Ben, j'ai fait 5 de toute manière. Okay. Il y a une pénétration d'armure au tir. Non. Alors, 3 ou plus, c'est très bien. C'est bon. Il encaisse grâce à son armure. Et il y a des fusils doubles qui boument. Ouais. Ou 3 fusils. Saleté de chef. Et si la cible est à mi-portée ou moins, là c'est le cas, j'ai un plus 1 jet de touche. Ah. Du coup, en fait, je vais toucher sur quand même 5 ou 6. 5 ou 6 au total, parce que plus 1 et moins 1. Oh. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces jets de dés? Alors, il y a un 5 et il y a 3 6 qui vont peut-être déclencher des tirs supplémentaires. Chef, c'est un one-man army, c'est parti. Et ça déclenche une. Ça déclenche. Alors, sur 5 tirs, sur 6 tirs, tu fais 5 touches. Force 5, donc 4 ou plus. 4 ou plus pour blesser. Deux blessures, pas de pénétration d'armure. Donc 3 ou plus, c'est bon, 5 et 3. Ok. Beaucoup de tirs, mais ça va. C'était les tirs. Ouais, le tir du chef, il te reste encore les boys et le requin truc. Ouais. Tu peux lier. Sur les boys. Alors, les boys, que font les boys? Voilà, ce chef. Le gros flingue. Ouais. Il va tirer sur les cultistes. Mmh. Et. Les pistolets peuvent tirer même dans un corps à corps à une portée de 12. Ouais. C'est ce que je me dis. Ils peuvent, t'en as 3 qui peuvent tirer ici. Lui, c'est un chef, je rappelle qu'il a tout de même une grenade. Même s'il a un 6 à plein de chaque bras, il peut à la place de tirer avec ses aucune arme, jongler une grenade sur ses 6 pour l'envoyer sur les cultistes. Ouais, du coup je vais mettre le gros flingue et une grenade sur les cultistes et le pistolet sur les avocs. 3 tirs de pistolet sur les avocs, allons-y. Ouais. Il touche sur du 5 ou 6. 6. Une touche. C'est peut-être un bâtard. Non. Force 4, endurance 5, ça va faire 5-6 pour laisser. Non. Ensuite, la grenade frag, 1 des 6 nombre de touches. Ça s'appelle une grenade frag? Non, ça s'appelle un frag à manche. Frag à manche, c'est un orc. 2, ensuite, faut toucher, c'est sur du 5-6. Non. Et le gros flingue, 3 tirs sur du 5-6. 2 touches et un déca. 2 touches. Force supérieure à 3, mais pas le double, 3 plus pour blesser. Deux blessures. Et pénétration d'armure. Ouais, je sais plus. Non, je crois que ça n'en avait pas, mais je vais vérifier à nouveau. Ouais, je crois aussi. Comme c'est pas dans ma liste de base, je connais moins bien les stats. Avec d'habitude, t'as le lance-roquet. C'est ça. Mais grâce au point de revanche, j'ai pu adapter ma liste et finalement, je me suis dit, peut-être que dans ma. C'est ça. Comme ça coûte moins cher, je pense que je vais même le mettre tout le temps. C'est pas mal. Non, ça n'a pas de pénétration d'armure. Alors, sur des 6, ils sont encore en vie, hein. Ouais. 6. Le chef du régiment. Un mort et un vivant. Ça. Il va rester jusqu'au bout, ce sergent. Avec sa petite conversion que je lui ai mis, pour qu'on voit que ce soit un sergent, je lui ai mis une sorte de crâne sur un backpack au niveau du dos, et ça rend bien. Ça, on peut voir de loin qui c'est. Alors, maintenant, il va me rester le Squeak Buggy. Ouais. Qui peut tirer sur les avocs ou sur le cultiste. Ou le dernier cultiste. Sans doute, un excellent choix, n'est-ce pas? Non, je vais tirer sur les avocats. Hein. Alors, avec toutes tes armes. Ouais. Même. Je crois qu'il y en a justement une qui n'a pas de portée, donc celle-là, elle va se mettre sur le fusil simple de l'orque qui est à l'arrière va tirer sur le cultiste. Ah, mes règles. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'est des gens qui sont morts. Très bien. Alors. Du coup, tu commences par quoi? Alors, ouais, juste, je réfléchis, juste le. C'est ça, c'est un fusil et peut-être même s'il est à portée un squig à manche. C'est combien ce qu'il y a? 6, non, je crois qu'il n'y est pas. Non. Ok. Donc, okay, alors, le coup de fusil, c'est parti. Ça tire double. Allons-y. Oui. Ça touche sur 5 plus. Une touche. Une touche, force 3, endurance 3, 4 ou plus pour blesser. Ça blesse. Ça ne blesse pas. Ensuite. Le cultiste survit. Les armes super squig là. Alors maintenant, il faut que je dise à quel mode de tir je les mets. Ouais. Alors. Du coup, quel profil de tir? Plus de pénétration d'armure ou pas, ou plus de tir? Est-ce que c'est un squig habile? Est-ce que c'est un squig explosif? Est-ce que c'est un squig en race? Ils sont tous plus affreux les uns que les autres, ces squigs, de toute façon. Peut-être j'essaye le mode squig boom pour avoir un tout petit peu de pénétration d'armure. C'est vrai que quand même, c'est bien de 3 plus. Te blesser sur 2 plus ou 3 plus, ça peut être pas mal. Malgré mon endurance de 5. Ouais. Ok. Bah, parce que j'ai un plus 1. Fort. Alors, combien de tirs? Alors, 2 des 3 tirs. 2 des 3 tirs. 2 et 1, 3 tirs qui touchent sur du 5 ou 6, allons-y. Ouais.
3 tirs sur du 5 ou 6. Bah non, 4 ou plus, parce que c'est le squig lourd. Ah oui, exact, il vise mieux. Alors, un daka-daka qui va peut-être faire une touche supplémentaire. Ça fait une touche supplémentaire. Ouais, ça fait déjà 2 touches. Ça va blesser la 5 force de 6. Ouais. Contre un endurance de 5. Ça blesse sur 3 ou plus. Mais tu as mis Nitro qui c'est squig, donc ça blesse sur 2 ou plus. Fort. Deux blessures. Pénétration de moins 1. Donc je passe à 4 ou plus pour me protéger. 1 et 4, j'en ai un qui trépasse. Ouais. Alors, j'ai des 3 dégâts. J'enlève le rond. Ouais. Celui qui n'a pas de viseur, ok, celui qui va vers le bas. Donc c'est celui-là que je vais enlever. Et reste l'autre lance-quig. Qui lui vise un peu moins bien. Un des 3 tirs. Un des 3 tirs. Deux tirs qui touchent sur 5-6 du coup. Ouais. Un tir d'Aka. Décidément, mes tirs sont plutôt chanceux. Hein. Normalement, les orques, c'est pas censé faire aussi bien. Très bien. Alors, le chef a été bien en sauvegarde aussi. Alors, ça blesse sur 2 plus. Il a su. Ouais, mais sur les tirs, c'est plus inhabituel. Sauvegarde, c'est parti, c'est bon. Ah, dommage. Et c'est tout. Et c'est tout pour tes tirs. Ensuite, il va y avoir les charges. Ouais, déclaration des charges. Et ben. Les boys vont tenter une charge héroïque sur les. Sur les Avoc. Sur les Avoc. Sur les tuer. Sur les tuer, parce qu'en fait, maintenant, c'est plus trop possible. En fait, hein. C'est une charge à. C'est une charge à 10, mais on rajoute 2 à côté, c'est une charge à 12. Ouf, ouais. Même avec un plus 1 là. Non, je vais peut-être juste m'assurer la mort du cultiste. Ah merde, tu charges le cultiste, ouais. Il ne tire pas en état d'alerte. Tu lances 2 dés de 6. 4. Ça suffit. Tu peux l'encercler et le tabasser en. Te venger de la mort de tes boys, toi. Ah, c'est pas eux qui ont tiré. C'est vrai. Est-ce que les orques sont capables d'identifier ce genre de détails? Je suis pas sûr. Très bien. Et c'est tout pour tes charges. Puis les unités qui ont chargé tapent en premier, les boys vont pouvoir frapper. Alors. On commence par le chef, peut-être, c'est fun. Ouais. C'est super double disqueuse ou je ne sais quoi. Très bien. Il a de base combien d'attaques ce chef? Il y en a normalement. Un orque normal a 2 attaques. 2 attaques et lui, je crois qu'il en a 3. Il en a 3, mais il a 2 disqueuses. Donc il passe à 4 attaques. Ouais. Il touche un vent sur 3 plus, mais les disqueuses sont peu maniables. Ça donne un moins 1. Ça donne un moins 1. Donc il a 4 attaques qui touchent sur du 4 plus. 3 touches. Ensuite, sa force est complètement démesurée. Elle explose le cultiste. Sur du 2 plus, ça me blesse. 2 blessures. Et pénétration est suffisante pour passer les pauvres protections et le hacher menu, pour ainsi dire. Ils peuvent faire un petit mouvement de 3. Ouais, ils peuvent faire un petit mouvement de 3. Pour s'approcher de l'ennemi la plus proche. Donc, tu veux rentrer dans le cratère, j'imagine. Ouais. De toute façon, t'as plus besoin d'être dans le point pour le contrôler. C'est ça. Donc, même si on est jusque-là, vu que le cratère ne ralentit pas ces mouvements-là, ça ralentit que les charges et les mouvements d'avance et les mouvements normaux, mais pas les mouvements d'engagement et tout ça. Eux, ils sont pas ralentis. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Oui, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il pouvait faire ce speed buggy? Bah, j'aurais pu pour un point de commandement le faire reculer, mais. Ah, oui, bon. C'est pas grave, je peux garder, on va dire, le point pour. Pour essayer de survivre. C'est ça, pour relancer une sauvegarde sur mon chef, ça va être bien. C'est à moi maintenant de choisir l'unité qui va taper, et j'ai mes deux bonhommes. Mm-hmm. Ce n'est plus un tour où ils ont chargé et où. Ils ont été chargés. Donc, ils font plus qu'une attaque chacun. Touche sur 3 plus. J'ai toujours la préscience. Ah bon? C'est aussi pendant mon tour? Bah ouais, c'est jusqu'à mon prochain tour. Ah d'accord, très bien. Sorcereur, beau être mort, les puissances du warp sont toujours de mon côté. Donc 2 plus pour toucher. 2 plus pour toucher, j'ai fait un saleté. Une touche. Une seule touche. Pour blesser. C'est vrai, 5 ou 6. Et non. Et ben on sait qui suit. Et ben maintenant il va riposter. Il va riposter, il va rigoler et massacrer. Ah, c'est horrible. Joyeux Noël. Secours. Ils sont rouges, ça fait un c'est peu. Ça. Je suis sûre que pour eux, voilà, le traîneau du Père Noël est rouge aussi pour aller plus vite à travers la galaxie. Pour libérer ses squigs par millions. Alors allons-y. Alors, 2 plus pour toucher. Très bien. Les Avocs vont passer un sale quart d'heure. Ouais. 3 plus pour blesser, mais je relance Krat. Je relance Krat. Tout qui blesse. 5 blessures. Pénétration d'armure. Moins 2. Donc ça va être sur du 5 ou 6. J'en ai réussi aucune, je perds donc 5 fois je sais pas combien de 5 points de vie. 5 des 3 points de vie. 5 des 3 points de vie, j'en ai 2. Les Avoc, comme vous l'avez compris, sont morts. Squeak, les Avoc. Ce qui te permet de faire un mouvement de 3, que j'imagine que tu vas faire pour sortir enfin du petit truc et te rapprocher. Et du coup, marcher même sur mon objectif, mais comme j'ai 2 figurines, il est toujours à moi pour l'instant. Eh ben, il ne me reste plus grand chose sur la table, les amis. Hein. Mais c'est du combattant tant que nous tenons. C'est vrai, c'est du combattant tant que nous tenons. Après, t'as presque toute la table au score ici, donc compliqué. Ouais.
Bah, on va jouer jusqu'au bout, on va au moins éliminer ce satané chef par exemple, ce serait un bon début. Ça va être le début du round 3. Alors, début du round numéro 3, phase de commandement. Je gagne un point de commandement, puis je contrôle un objectif, mais c'est tout. Donc ici je passe à 10, ce qui passe à 10 sur 45. Puis, pour la même raison que tout à l'heure, mon drapeau est toujours là. Je passe à 2 ici, et c'est tout. Ensuite, phase de mouvement. Ben, même s'ils bougent, eux, ils n'ont pas de malus pour tirer. Donc et, ils ont autant à s'éloigner pour voilà, possible. Comme ils peuvent tirer à 24, ils vont sans doute reculer pour essayer de se mettre là, pour pas que ce véhicule-là puisse me tirer dessus, pour que les boys ne puissent pas trop me charger, ils auront bêtisé. Un mouvement de 6. Je peux aller jusqu'ici, ce qui est pas mal. Voilà, ça c'est pour dire qu'il y a un drapeau et que le point appartient. Je peux remettre d'ailleurs le... Oui. Un petit marquage ici, histoire de dire que le joueur le voit bien. Ensuite, il décale les points de vie et tout. On va voir ça. Fin du mouvement, n'est-ce pas? Psychique, ben j'en ai plus. Phase de tir, j'ai envie de le tuer, j'ai quand même bien comme il faut. Ouais. Je pense que je vais mettre 8 tirs sur lui et 8 tirs sur les bottes. Un sur chaque. On espère que ça va me faire revenir dans la partie, je sais pas comment. Allons-y. Ah non, les boys sont à couvert, j'avais même pas pensé à ça tout à l'heure. Alors moi j'y pensais. Je vais du coup dépenser moi, un point de commandement. Moi juste en mode, je me rapproche, je le charge et tout. J'y pense un point de commandement pour utiliser un autre stratagème qui va être cette fois-ci vétéran de la longue guerre, qui se déclare quand je tire, cette unité aura plus un pour réussir ses blessures. Et puis ça va être fort pour tirer sur mes véhicules du coup. Tout à fait. Comme j'ai que les petites mitraillettes et plus les canons laser, plutôt que de viser mieux, je pense que c'était plus stratégique à ce moment-là de plutôt augmenter les blessures. Alors, bah, je vais tirer. 4 tirs sur le chef. On commence par le tir. 8 tirs. 8 tirs sur le chef, tout à fait. 8 tirs sur le chef, je sais pas pourquoi je dis 4. C'est parti. Il y a beaucoup de tirs, une mitraillette. Hein. Ouais. Enfin, un canon rotatif. Canon rotatif, peur. Sur du 3+. Oh, oh, j'ai fait 4, 5, 1. Ah, t'es sûr que t'aurais pas préféré l'autre stratagème? Pour lancer le gun, il aurait été bien là-dessus. Ouais. Je vais peut-être quand même le tuer, on y croit, on y croit. Force 5 contre environ de 7. C'est du 5, 6, mais j'ai mon stratagème. Ça passe à 4+. Ouais, allez. Ça c'est pas mal. Aucun. Oh. Le chef va survivre toute la partie à un point de vie, quoi. Au secours! J'aurais dû tirer avec l'autre dessus. Bon, ah oui, non, tu récupères plus tes points de commandement puisque t'as plus et ton, puis j'ai plus le, ton chef digne de confiance sur la table. C'est ça. Et on fait 8 autres tirs sur les boys. Mais bon, je pense que de toute façon. Même si tu rases les boys, c'est pas très. Je peux peut-être encore charger le chef et le tuer. Alors, sur les 3+ pour toucher les boys. Ok. Ensuite, force 5, endurance 4. 3+, plus 1 sur sa table. 2+ pour blesser. Tout qui blesse. Pénétration à une armure de moins 1 compensée par le cratère. Donc sur garde des sur des 6. 5 tests à faire. Ben j'ai 5 dés. Allez. Comme pour les Dakar, on recommence. C'est parti. Alors, j'en ai perdu 4. Ouais. J'imagine que tu gardes le chef. Ou peut-être ouais. Pas en fait. Peut-être que tu gardes le fusil pour avoir plus de chances de. C'est vrai que le chef, il est peut-être un peu loin. Maintenant, il ne dira pas trop au corps à corps. En plus, si tu entames le chef, potentiellement, ça peut, comme il a 2 points de vie, lui. Tu peux dire 1, 2, 3, 4, et il te reste un gars et le gros flingue. Ouais, allez, pourquoi pas. Très bien. Bah, fin de ma phase de tir, et malheureusement, le chef, malgré mon stratagème et tout ce que je peux, est toujours là. Ça fait une charge à combien, ça? Je me suis éloigné. Ouais, tu t'es éloigné autant que tu pouvais. Je suis à 9, on offre 1, donc c'est une charge à 8. Je vais la tenter, hein. Je vais la tenter, je pense de toute façon. T'es à 9. J'ai quand même envie de le tuer, ce chef, ce seigneur de guerre. Ouais, non, du coup, je vais pas te mettre de tir en état d'alerte. T'as pas la portée. Comme la plupart de mes armes ont porté 8. Ça vaut pas le coup de lancer un PC pour ça. C'est la charge. Allez. C'est parti. Charge à, du coup, au moins 8. Oui, c'est ça. 9. Ça aussi. Réussi. Et on y retourne. Mais bon sang, mais tuez-le. C'est débile. Ce mec-là. Ok. Fin de ma phase de charge, phase de corps à corps. Ils vont taper en premier. Ils ont chargé. Ils vont donc avoir une attaque de plus. Deux chacun, ils touchent sur 3+. Puis la préscience pour m'aider. 3 touches. Ensuite, pour blesser, ce sera que 5 ou 6. C'est là que c'est compliqué. Il n'y en a pas. Et c'est la riposte toujours, la fameuse riposte. Ah là 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 là.
Ouais, voilà. L'orc, il comprend pas pourquoi il y a tout le monde qui fonce sur sa pince. Pourquoi il fuit, il lui tire dessus, il le recharge, ils font ça tout le temps, ça marche jamais. Il s'est même pas rendu compte que sa moto, elle avait des bouts qui partaient en miettes. Oh là là. Alors, 7 touches de plus. C'est parti. Alors, 5 touches. 5 touches, en tout pour blesser. 3 plus, je relance pirate. Ça lance tout, c'est pas un retour lancé. 5 blessures. Ouais. Bien moins 2. Alors, c'est parti. J'en ai réussi une, et donc 4 qui sont loupés. Ils ont chacun que 1 point de vie, sont donc morts sur leur propre charge. Allez, on va l'achever cette fois-ci. Mais oui, on a juste besoin d'un dernier coup. Ah, ils vont se faire couquer. Les deux derniers combattants tant que nous tenons vont mourir. Et c'est la fin de mon tour. C'est le début de mon tour. Moral d'abord. Ah oui, les boys, ils vont peut-être s'enfuir. Ils vont peut-être bien s'enfuir. Allez, donc, il y a combien de morts ici? 3. Bon bah non, c'est bon. Bah du coup ça va. Tout va bien, ils sont courageux. C'est du coup ton round 3. Bon, là concrètement, mon adversaire continue de jouer tout seul. À quoi ça sert? Simplement pour continuer de gagner des objectifs principaux et des objectifs secondaires, pour avoir un plus grand score de victoire, pour montrer qu'il a fait une victoire particulièrement impressionnante, et puis en être fier, donc regarde, une fois j'ai gagné, avec les orques j'ai fait un score très impressionnant. Et même dans certains cas, si l'autre joueur qui n'a plus de figurines était en fait celui qui avait beaucoup d'avance au score, ça peut lui permettre de reprendre l'avantage. Là, en l'occurrence, on sait que tu as déjà un peu plus de points que moi, donc tu aurais déjà gagné même si on s'arrête là, et on pourrait, mais on aime bien faire les parties jusqu'au bout, ça va aller très vite, de toute façon maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ton tour 3 qui commence, tu n'as pas besoin de bouger, de faire quoi que ce soit, parce que tu as déjà tout ce qu'il faut pour prendre les points. Tu gagnes de nouveau 5 de score sur chacun de ces points-là. Où est le Véleda? Il est juste ici. Et tu vas également, à la fin du tour, encore en plus, avoir pour une fois des points pour l'assaut chirurgical. Car tu as une figurine ici qui a un bout du pneu dans la zone qui est chez moi. D'ailleurs, ça casse le drapeau. Ouais. Hop, on met un petit dé vert pour dire qu'il t'appartient aussi. Et voilà. Ça, c'est la fin de ton tour 3. Round 4, bah, je ne fais rien du tout. C'est à toi et tout va se repasser pareil. Tu vas regagner 5 à chaque fois ici. Ce qui va te permettre d'avoir ton objectif principal qui va atteindre 45 sur 45 lors de ce round 4. Le maximum. Donc maintenant, ça sert à rien. On sait qu'au round 5, ça ne va plus rien te donner. Tu gagnes encore l'assaut chirurgical à la fin du round 4 qui passe à 10 sur 15. Puis, round 5, dernier round d'ici. Les objectifs principaux continuent d'augmenter, mais comme tu es déjà à 45 sur 45, concrètement, ça ne va pas te donner plus de bonus. Et ensuite, on a l'assaut chirurgical qui, une dernière fois, donne 5 et passe tout pile le score parfait à 15 sur 15. Et la partie s'arrête. Bien joué, Mehdi, bien joué. Bien joué. D'abord, on va faire les totos. On peut faire maintenant, voilà, le toto, parce qu'il y a notamment les objectifs de fin de partie ici qui se comptent maintenant. Alors, est-ce que j'ai tué le seigneur de guerre? Non, il a un PV. Il est intuable, donc je suis à 0 sur 15 ici. Combattons tant que nous tenons. Eh bien, je n'ai aucun des 3 survivants que j'avais choisi, enfin, ceux qui coûtaient le plus cher, qui étaient choisis d'office, qui a survécu. Donc je suis également à 0 sur 15. Mon drapeau, s'il y avait encore un drapeau à ce moment-là, il donnerait encore un point, mais tu l'as détruit depuis quelques tours, donc ça ne grandit pas. Ensuite, si l'armée est entièrement peinte, et c'est le cas, j'en suis très fier, j'ai passé jour et nuit à faire la peinture de la Black Légion, je gagne donc 10 points de victoire pour encourager les gens qui se donnent la peine de vivre le hobby pleinement, et aussi d'avoir des jolies figurines sur la table, puisque ça fait plaisir. J'ai donc un total assez faible de 10, plus de 12, plus 10 parce que c'est full peint, parce que quand même, je suis venu avec des figurines peintes, n'est-ce pas? Je le passe donc à 22. À 22 de score. Quant à toi. Alors, j'ai tué le seigneur de guerre ennemi. Tout à fait, le sorceleur qui ici a été vaincu au corps à corps par ton chef, tu gagnes donc 6. Combattons tant que nous tenons. J'ai 2 de mes 3 figurines qui sont encore. Le chef et le squid buggy, donc ça te fait passer à 10, parce que chacun a rapporté 5. L'assaut chirurgical, il est déjà maximisé. On peut faire le total, sachant que tu as également tout qui est full peint, donc tu as également 10 pour la peinture. Alors, oui, ça j'ai nous fait un des petits boys supplémentaires pour bénéficier de tous mes points de relance. Exactement. 45 plus 15, ça va déjà faire 60. 60 plus 16, ça fait 76. Plus 10, ça fait 86 de score, ce qui est pas mal du tout. T'es au maximum dans l'objectif principal, au maximum en tuer le seigneur de guerre.
même si c'est marqué sur 15, il n'y a qu'un seul seigneur de guerre, donc on peut jamais avoir plus que 6. Le seul que tu aurais pu avoir mieux, c'est le combattant tant que nous tenons. Si lui, il n'était pas mort, tu serais en fait à 91 et ce serait ton score parfait. Ce serait le maximum que tu aurais pu faire. Mais j'ai quand même détruit une ou deux figurines, du coup voilà, c'est pas tout à fait au max, mais bon, 22 à 86, sacrée victoire. Or, ben, la WAG, la WAG a vaincu, et c'est très bien, puisque même si là on l'a pas vu, entre nous on avait déjà joué, et en fait je l'avais battu deux fois avec cette liste-là d'affilée avant qu'il y ait cette partie-là. Et comme quoi, avec un peu de chance et un chef qui survit tout le temps, bah, ça se passe beaucoup mieux. Enfin bref, allez, on va nous voir ça à la bataille. Joué. Bien joué. Et voilà, on est là pour la pré-partie, une bataille qui aura tourné en la faveur des orques, et plus particulièrement rondement menée par leur seigneur de guerre, n'est-ce pas, un motard des plus vaillants, qui aura su résister à tous les assauts, à tous les canons laser, à toutes les balles. J'avoue, aux épées de force. Qu'est-ce que j'ai comme chance ces temps-ci quand on joue nos parties. Surtout quand on les filme, quand il y a vraiment un facteur impressionnant, quand la caméra est allumée, t'as un modificateur au jet de dés. Ouais, c'est fun, ça fait des trucs sympas. Je sais pas, c'est bébé qui me donne de la chance. Oh, voilà. En tout cas, bien joué. Je pense que, honnêtement, j'ai pas fait tellement d'erreurs stratégiques. Ouais, je pense que ça liste est bonne, honnêtement. Et avec maintenant le fait de mettre les cultistes devant, ça évite contre ces orques-là que tu puisses charger en prenant une des deux unités d'Avok sur le côté. J'avais l'initiative. Comme le fait de me charger, finalement, s'est avéré être mauvais pour toi, mais en fait. Ben, statistiquement, tu pouvais pas le savoir avant, et statistiquement, ça aurait dû... J'aurais dû enlever ce dernier point de vie un jour ou l'autre, normalement. Mais bon, c'était quand même sympa. Je suis content d'avoir pu montrer ma nouvelle armée de Black Legion. Et après tout, je t'avais déjà vaincu deux fois. Donc, les choses rentrent dans l'ordre. Ton bonus, si tu me rebats encore une autre fois, le bonus de 5% sera inversé. Et on sera de nouveau 500 contre 500. On espère que vous avez apprécié les nouveaux pions objectifs qui pour nous ont été très pratiques. J'ai vraiment vu la différence la première fois qu'on jouait avec, de pouvoir enlever les pions et les replacer, mais quand même voir la zone quand les véhicules avançaient ou même que mes bonhommes fuyaient le corps à corps et tout. Oh, c'était un vrai confort de jeu. Ouais. Franchement, ça fait gagner du temps. On attend maintenant les tapis. Les nouveaux tapis, qui vont être esthétiques. Et plus tard, encore des nouveaux décors, ce sera le combo. On aura comme ça un truc un peu plus varié à regarder. Je pense que ça pourrait être sympathique. J'aime bien le fait d'avoir du choix sur mon tir, parce que en corne et en cuisse d'est, j'ai pas tellement de tir du tout. Et là, j'ai la possibilité d'augmenter mes tirs, soit pour qu'ils visent mieux, soit qu'ils aient plus de blessures, soit qu'ils tirent double. Je peux le mettre sur des armes anti-lourds, sur des armes légères, j'ai des armes qui surchauffent. J'ai l'impression d'avoir enfin, moi aussi, un petit peu ce moment de réflexion de qui je vise avec quelle arme, etc. Plus qu'avec mes autres armées. Ma seule autre armée qui a vraiment un peu de tir, c'est les Nécrons. Mais c'est très simple, j'ai que un profil d'une arme. Ouais. Mes guerriers tirent pas très loin, ils visent ce qu'il y a de plus proche, en gros, quoi, pour faire simple. Ta liste de scène, j'ai aussi du tir, mais. Ouais, mais c'est. C'est principalement une figurine, une unité qui a plein de tirs, et en général, c'est que portée 12, donc je peux pas non plus faire beaucoup de choix, même si heureusement en version 9 on peut séparer le tir des flammeurs dans cette liste de démons, ce qui rend quand même le truc un peu plus stratégique qu'avant. Mais ouais, j'ai trouvé agréable à jouer, c'est pas mal. J'aurai des listes avec autre chose que juste des tonnes de Havoc que je ferai en Black Legion. Pas pour tout de suite, je vais faire une bonne pause de peinture, honnêtement. Mais par contre, moi je vais m'y mettre. C'est ça, ça va être à ton tour. Pour essayer de sortir une prochaine dans armée, quelques vidéos, voilà. Normalement dans deux vidéos, quelque chose comme ça. On devrait voir normalement des Inari qui vont surgir de Gomorrah. C'est ça. Avec un vaisseau, comment ça s'appelle, pour faire leur raid là. Bah, un raider. Un raider pour essayer de capturer les gens. J'avais commencé à préparer la liste il y a un petit moment, à monter tranquillement les figurines. Et puis maintenant qu'il y a en plus un codex Drukhari qui est annoncé, ça tombe bien. Ça va peut-être leur servir. C'est ça. Après, la liste aura peut-être quelques modifications. Vu que c'est des Inari et pas des Drukhari. Est-ce qu'ils vont vraiment bénéficier de tous les bonus? On verra bien. Les profils de base, s'ils changent, seront aussi modifiés dans ta liste. Donc, je pense que tu vas en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Et on va bien entendu également remercier non pas un, mais deux tipeurs qui ont rejoint Farhammer dans leur soutien financier et qu'on remercie de tout cœur. Nous avons le vétéran, entre guillemets, Jean-Louis Payan, qui est là depuis le jour J de l'ouverture du Tipeee. Et on a une autre âme charitable. On a Rémi, HDT. Je ne sais pas quel est ton nom de famille, mais en tout cas, merci. Il a fait d'ailleurs un commentaire très constructif la dernière fois.
qui nous a encouragé sur le type de contenu qu'on sortait et qui nous a demandé quand est-ce qu'on comptait sortir des présentations d'armées. Mmh. Et on a, je pense, c'est le type de commentaire qu'on reçoit le plus après des questions de règles ou ce genre de choses, c'est mais vos figurines un peu alternatives ou vos conversions, où vous les tirez, comment vous les avez fait, tel bras il vient de quel endroit, etc. Et on se fera un plaisir à l'occasion de faire une vidéo sympa où on décortiquera chaque figurine bien comme il faut. C'est des vidéos qui prennent du temps et on a décidé d'essayer de garder le rythme de sortir deux rapports de bataille par mois, ce qui demande pas mal d'investissement. Et on voudrait faire ces vidéos-là en bonus, en plus, et pas à la place de ce qu'on sort d'habitude. Donc le premier bonus, ça va être pour présenter notre système de revanche. Tout à fait, qui devrait sortir dans pas si longtemps. Qui rapporte des points au joueur qui enchaîne les défaites contre l'autre. C'est ça, quand le codex d'un joueur perd de manière cyclique en boucle contre un autre joueur et son même codex, on lui met au fur et à mesure, petit à petit, une sorte de petit bonus qui grandit au fur et à mesure, qui perd quand même malgré le bonus, qui est simplement plus de points à son armée pour tenter de, voilà, un jour quand même faire une victoire. Parce que typiquement, là, t'aurais pas eu les boys survivants s'il n'y avait pas eu les points. Bon, c'est ton chef à un point de vie qui, là, a fait la différence, mais peut-être que ça aurait quand même changé des choses. Mes deux cultistes et tout, ils auraient peut-être tué ton chef en chargeant aussi, on ne sait pas. Ça aurait pas eu autant de scores non plus, donc ça peut faire une différence, juste à 2-3 figurines, ça reste intéressant. Et on vous dit du coup à très bientôt pour de prochaines vidéos. Attends, d'abord, surtout, n'oubliez pas Vous abonner, mettre des commentaires. Si jamais vous avez trouvé ça complètement dingue, le chef orc, n'hésitez pas à lâcher quelques wags en commentaire sur la chaîne. Si vous aimez bien la peinture des Black Legion ou autre et que vous voulez me suggérer des unités, me poser des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus. Et voilà, pour nous, ça a été un plaisir, en tout cas, de montrer cette nouvelle armée. On la connaissait déjà dans le sens où moi je pense que je l'ai bien joué une vingtaine de fois quand même. C'est une liste que... Avec toutes sortes de listes d'ailleurs. C'est ça. Mais donc principalement affronter de la garde impériale, dédicace à Clara et à Bot, si jamais vous voyez cette vidéo. C'est la fameuse liste que vous avez vue de nombreuses fois jouer à l'époque avec des petits bouchons, vous n'avez pas encore les figurines en vrai, jouer en non-peint ou même sur Tabletop Simulator. Permet aussi de jouer à distance, comme c'est des connaissances qui eux sont restées en France. Donc voilà, vous pouvez la voir contre les orques, perdre d'ailleurs magnifiquement sur cette partie. Et j'espère que la prochaine fois, j'arriverai à montrer la Black Legion dans toute sa grandeur et toute sa splendeur. Et on vous dit du coup, pour de vrai cette fois-ci, à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de nous regarder et nous soutenir. À bientôt et joyeuses fêtes. Bonne fête à vous, salut.